Écoutez, Alerte n'hésitez pas à générale. venir en consultation et mon cœur sera peut-être à vous, ça sera. Ouais. Alerte générale, rendez-vous devant la table et on attend Jack, il a un discours à faire. Oh. On attend au camp, partez pas. Il va falloir trouver un moyen pour faire du feu. Du coup, il n'y a plus besoin du plan ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a ? Feu de camp, piège, table. Tu veux que je te dise, t'as un moyen pour faire du feu ? Ouais, comment ? En gagnant l'épreuve de juste avant en ayant des allumettes. Voilà, ah ouais, voilà c'est comment. Vrai. C'est vrai. Après moi, ouais, on était plusieurs à rater, donc j'en veux à personne. Ouais, j'ai vu. Même moi, j'ai raté. Ouais, j'ai vu. Mais même si je faisais 200 points, on gagnait pas. Bah oui. Mais si tout le monde faisait 200 points, on gagnait. Ça, c'est vrai. Mais c'est bizarre, ouais, ils ont mais fait un perfect chez les rouges en face ou quoi ? Ouais, en même temps, je suis désolé, mais on fait pas tous du parachute tous les jours avec papa. Hein. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont repassé des tours encore. Ah oui, tu crois que je avec papa ? Moi, non. Je le fais pour arrêter les cartels qui vont tuer ta petite gueule. Alors que si vous aviez écouté mes indications, je fais du swap, moi je fais pas du poney avec papa, non. Bah non. Ah, les gars, tout à l'heure je me sens bien, je m'attends. Ah non, je prends une salope. Je trouve qu'il y a beaucoup de tension ici, s'il vous plaît. Ouais, restez cute et kawaiiné, s'il vous plaît. C'est très important. Kawaiiné, mon cul. Mais ça va pas, Buddy. Bah non, ça va pas du tout. Mais on va le faire, on va le faire. J'ai faim, et pour plus que j'ai faim, il faut faire du feu. Et pour avoir du feu, il faut des branches. Donc je peux pas aller en chercher puisque j'ai plus de feu. Tu sais ce qu'il faut pour plus que t'aies faim ? Il faut que Douglas arrête de bouffer ses burgers en fraude comme il le fait. Hein quoi ? Ouais, ça, il faut ouais, dire certaines situations burgers, aussi. Il mange des burgers, Douglas. Mais hey, Buddy, fais-moi confiance, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, fais-moi confiance. Je pensais qu'il était tout seul. Moi, j'ai confiance en toi. Buddy, je vais aller chercher des branches pour toi. J'ai confiance en moi, je fais tous les points à tous les jeux. Et après, quand je lui ai posé... Bah non, je vais chercher des branches. Après, je me suis endormi. Ça, c'est faux. Non, attends, Jack, on attend les autres. Écoutez, on va régler ça tous ensemble. Ne commençons pas à faire des rumeurs. Ok. On attend les autres. Il y a eu qu'un seul jeu, le jeu du bandana, j'avais mis une heure d'avance. Et le premier jeu, parce que j'étais pas en forme. Ah bah voilà, bah moi j'étais pas en forme au deuxième jeu. Eh les gars, qui a une hache pour que j'aille chercher Non mais t'inquiète Jax, attends juste qu'ils arrivent, on doit faire une réunion d'urgence ouais. Là on doit se remobiliser, je vous le dis. Il y a un problème. On est trop désorganisé, c'est compliqué, je pense qu'il y a trop de conflits intérieurs également. Exactement. Donc là, bah, on va te voir. À chaque fois qu'il y a des choses dites, les gens ils s'en foutent. Moi j'ai trouvé quatre fleurs bleues là, je sais pas à quoi ça sert. Même moi j'en ai trouvé. On va faire l'inventaire de tout ce qu'on a trouvé. On va le mettre en commun et on va voir avec ça ce qu'on peut faire. On va régler les différents et ensuite on va avancer. Main dans la main. C'est beau, bravo. Merci. On va sortir les doigts du cul aussi. Ouais, c'est ça, surtout ça. Il faudrait qu'ils viennent. Ouais, ils arrivent, ils sont là. Tu veux qu'il peut me les mettre les doigts dans le cul ? Quoi ? Quoi ? Il veut un doigt dans le cul ? Après. Non, s'il veut. Ouais, mais c'est toi qui veux, non ? Bah, s'il veut me le mettre, oui. Mais si lui, il est indifférent. Si lui, il veut, il peut. Si lui, il veut, mais. Il y a quelqu'un. Mais peut-être qu'il veut pas. Ouais. Oui. Attendez, oui. on fait une réunion. Quelqu'un a la carotte ou pas ? Non. Tu as la carotte ? C'est toi, je l'ai pas. Dans ta main ! Non, les gars, je vous dis que je l'ai pas. T'as pris un coup de chaleur, mais c'est pas grave. Non, je vous dis que je ne l'ai pas. On ira te chercher de l'eau, t'en fais pas. Non, mais on s'est échangé non-stop. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Et apparemment, on peut la planter. Planter ! On va la planter. Attendez les autres, on fait une réunion d'abord. Parce qu'on s'est jamais réunis depuis le début. Du coup, c'est pour ça que tout le monde est désorganisé. Il est totalement vrai. Bah attends, je vais appeler les autres parce que... Ils sont vraiment lents. Les gars, ça fait 30 minutes qu'on vous attend. Venez, on fait la réunion. Comme ça, tout le monde va vouloir partir. Oh merde. Ah oui. L'heure du conseil bientôt. Ça va bientôt être l'heure du conseil. Bon les gars, sur les épreuves, là les rouges ont eu plus de chance que nous. On en sort plus fort. On sait que là, pour les prochains jours, on se fait des équipes. Mais toi, t'as mangé un burger toi. À digérer, toi, par hasard. Mais c'est de quoi vous parlez là? Apparemment, attendez, on va se regrouper. C'est qui manque là? Je crois qu'il manque François. Il manque François et Larry, ouais. Bon, ok. Il manque François, ouais. Et c'est tout. Et après, on est au complet d'après mes calculs. Ouais, après, on est au complet. Vas-y, François, accélère! Accélère, François! Allez, François, on arrive, on arrive. Mais t'es au téléphone ou quoi? Je suis là, non. Ok. François! L'homme qui aime les plantes, il m'a pas.
On t'entend mal, François, non? Ah, mais je crois qu'il a mangé. Non, vous m'entendez bien, vous m'entendez bien. Il a mangé quelque chose de mauvais. Oui, ok, bonsoir les jaunes, bonsoir. On vient d'essuyer un échec cuisant. On n'aura pas d'allumettes, mais c'est pas grave. On trouvera un autre moyen de faire du feu. La prochaine fois, on les aura. En plus, ils nous ont humiliés à la fin. Mais c'est pas grave. On doit se focus sur nous-mêmes. Aujourd'hui, Jack, il a ramené beaucoup de ressources. Vous avez tous ramené beaucoup de ressources. C'est mais vrai. On a besoin de s'organiser. On se parle jamais. On n'a pas d'organisation. Absolument. On devrait avoir des gens qui sont focus sur les arbres, d'autres sur les pierres, d'autres sur les remèdes. Et ça, on n'a pas. Donc là, je vais laisser Jack prendre la parole et il va essayer de nous regrouper en duo, trio, quatuor pour justement ramener des ressources et savoir ce dont on a besoin. Allez, Jack, vas-y. Avant ça, je tiendrais juste à rajouter que Narine serait un très bon trésorier au niveau des ressources. Donc nous, on ramènerait des ressources comme des robots. Narine nous dirait ce dont on a besoin le plus, si on a besoin de plus de bois, plus de pierres, plus de trucs. Et Jack, lui, ferait les équipes. Voilà. Si je peux me permettre, Bud, il est très très fort, il peut porter beaucoup de trucs aussi, Bud. Si vous avez besoin de quelqu'un, oui, il est très mais fort. Merci, merci Douglas. Si je peux me permettre également, étant docteur en psychologie, si vous avez des conflits internes, et je sais qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à m'utiliser en médiatrice. On va régler ça après les conflits, Allez Jack, parle-nous des ressources, parce que là on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de faire du feu. Un conflit. Hein. Très bien. Écoutez-moi, là dans un, ce qu'il faut dans un premier temps, ça va être genre un couteau et du feu. C'est les deux principales ressources qu'il nous faut, ok? Puisque, je vous rappelle, le couteau va nous servir en fait à dépecer les animaux, okay, qu'on pêche et qu'on ramasse. Le feu va servir en fait à cuire ces denrées. Donc le principal objectif, ça va être de se focus sur la récolte des ressources qu'il nous faut pour faire un feu et ce fameux couteau. Ensuite, moi, ce que je vous propose, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas faire cavaler seul. C'est-à-dire que les gens qui partent tout seuls de leur côté, ça ne sert à rien en fait. Parce que du coup, ils ne sont pas efficaces et ils peuvent ramener très peu de choses. Alors qu'en vrai, si vous faites genre ne serait-ce que des duos, okay, je vous demande pas de faire des trios. Trios serait l'idéal, mais en fait, juste des duos. Okay, un qui prend par exemple une hache ou une pioche et l'autre qui le suit en ramassant les ressources. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? D'ailleurs, les gens, quand vous faites des duos par rapport à vos capacités, il est important que celui qui a la hache et a le moins de force. Et comme ça, il s'occupera de ramasser. Voilà. Mais attends, merci, attends. Attendez. En fait, les gars, vous pouvez tous les deux ramasser, en fait. C'est pas parce que vous avez une hache que vous pouvez pas ramasser. C'est juste que, en fait, genre, ramasser un maximum de choses, et sur le chemin du retour, vous rangez votre hache et vous pouvez tous les deux prendre des ressources, ok? Mais c'est très important de ne pas partir seul et de ne pas faire cavalier seul, ok? Bah, c'est vrai, ensuite, parce qu'on n'a pas assez de hache et de pioche, c'est pour ça. Absolument. Ce que je vous demande ensuite, par la même occasion, ça va être en fait juste de split en fait les récoltes, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas du bois ou tout le monde ne fait pas de la pierre. Il faut que genre le un tiers fasse du bois, le un tiers fasse de la pierre, le un tiers fasse du silex, ok? Le silex se trouve. Oh non, il fait froid. Oui, écoutez-moi. Le silex se fait au niveau des côtes, ok? Vous longez les côtes et vous trouverez genre des amas de silex, ok? Et après, en fait, c'est à vous de vous démerder. Ou sur les cailloux aussi. Si vous cassez les cailloux, vous avez du silex. Okay. Est-ce qu'on fait du feu là? Il manque 30 bois. On va faire le bois. Bah, je viens avec toi, Stéphanie. Demande la pioche, putain. Allez, je te la donne. Moi, j'ai la hache, moi. T'es là ou pas, général? Je vais... j'ai une pioche. Moi, c'est un mec avec une pioche. Moi, j'ai une hache. Quelqu'un vient avec moi? Quelqu'un sait où il y a le bois? Attends, je vais te la donner plus loin, ici. J'ai trouvé plein d'arbres là-bas. Bah, ok, mais faut qu'il me parle, parce que je peux pas couler. C'est une bonne source de bois, beaucoup d'arbres. Ok, vas-y. Bah, venez, quelqu'un avec nous, comme ça, on y va à trois. Le contrôleur. On va avoir peur, non? Y'a personne qui a faim là? On n'a même pas organisé. On a tous faim. Demande à Douglas, c'est un burger. Jack. Ouais. T'aurais dû faire les groupes, je pense, parce que là, tu vois, tout le monde s'est éparpillé. Mais là, il faut du bois en fait, en priorité. Il faut ok, vas-y, on va ramener full bois alors. Ouais, full bois. Vas-y, tu peux courir, le banquier? Vas-y, on y va. Ok, je coupe le bois, vous ramassez, on ramène. Yep. Punaise, va falloir qu'on s'en aille boire à nouveau bientôt, là. Oh Seigneur Dieu. Ah, moi ça va, j'ai bu il y a pas trop longtemps. Je pense qu'on fait un ou deux allers-retours et ensuite on va boire et on repart. Ouais. Allez. Mais après, il y a un conseil aussi, oh le. Ouais.
Tu vas voter pour qui toi? Attends, deux secondes, c'est quoi cette feuille? Ah, c'est de la... c'est une plante. Oh, le bois. Ah non, on a besoin de bois, ouais. Merde. Ok, c'est bon. Il est parti où? Il est parti où? Il est là. Par ici, allez, par allez, ici. C'est ici? Tout le long de l'eau. T'es sûr? Celui-ci, par exemple. Ah ouais. Attention, écartez-vous. Quelqu'un l'a ramassé? Oui, je l'ai. Ouais. Ok, parfait. Y'a qu'un seul... Il y en a 4, 5. Allez, vas-y, je m'en charge. Je vous avais pas menti. Hein. Non, c'est vrai, ouais, bien joué. C'est vrai. Attention, écartez-vous, j'ai pas envie de vous blesser. Et où le point rouge, frère? Attends, je trouve plus l'axe. Au pire, attends, je vais changer, il y a un problème. Ok, c'est bon. Normalement, si je tape ici, puis ici, puis ici. Ok. Quelqu'un peut le ramasser pendant que je continue de couper? Yep. Juste tape. Non, t'es obligé de taper sur les rouges. J'ai essayé de taper, ça faisait rien. Faut qu'on pense aussi à s'en rentrer avant qu'on soit tous frigorifiés, là. Ouais. Moi, ça va. Je pense qu'on peut faire ces arbres et après on s'en va. Mais encore. Vous êtes bien là? Vous êtes sur... Ouais, vous pensez vous pouvez emporter combien? Moi je peux emporter 5. Tiens, donne-moi celui-là, comme ça je commence déjà à ramener au camp. Ouais, c'est bien, ça c'est bien vu. Allez, on continue. Allez, on continue. Attends, je crois que je le vois plus bien là. Allez, je peux pas cliquer gauche s'il n'y a pas le point rouge. Ok. Vu que j'ai spam, ça a marché. Pourquoi tu le vois juste pas? Ça te fait pas trop mal aux mains, là? Ça fait mal, mais on doit le faire, on a besoin de feu. Attends, celui-là, j'arrive plus à le casser. Pam clique sa grand-mère. Il est full bug cet arbre. Il a un problème celui-là. Bah, il y en a un autre. Ouais, je vais un peu là-bas, plus loin, là. Ouais. Que je vais le prendre celui-là, c'est le dernier. Ok. Oula, attention. T'en as combien sur toi là? Ouais, j'en ai 2 sur moi. Ok. Enfin, je réessaye sur celui-là peut-être. Ah, je vais péter mon crâne. Ah, il a un problème cet arbre, il est solide hein. Tu veux que je le fasse? Ouais, attends deux secondes, je réessaye. Et après je te laisse faire. Ah ok. Allez encore un. Voilà. Ok, parfait. Commence à faire bien froid là, tu sais où il y a d'autres arbres? Bah le long de la rivière. Ok. On va farmer un peu, t'as vu, comme ça ils pourront pas dire j'ai rien fait dans le camp. Juste histoire d'eux.
Est-ce qu'il y a? Les frérots, vous faites quoi? Vous cherchez quoi? On trouve, on coupe des arbres là depuis tout à l'heure. Ouais, nous aussi. On est d'accord, ça donne qu'une branche. Ouais. Ah, c'est sûr. Ah, c'est pas fou. Il y a les arbres ici là. Vous voyez quelque part le... Je sais pas si je peux casser cela. Aucune idée. S'il y a la flèche, c'est que je peux, non? Je crois qu'il faut qu'on commence à rentrer au camp. Tu sais s'ils ont fait le feu ou il leur manquait quoi? Ah, aucune idée, j'ai pas regardé, j'ai posé le bois et je suis parti. Oh merde. Je pense qu'on peut en trouver sur la route encore. Ah, c'est sûr. Là, c'en est un. Oh, y'en a plein, y'en a plein. Oh, y'en a plein, mais il commence à faire froid. Je peux en faire encore un ou deux et après, c'est bon. Vas-y, prends le bois, écarte-toi, moi je suis écarte-toi, 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 écarte-toi. Attention. Ça va, c'est le coup. C'est ok, le désolé, désolé, okay désolé, 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 désolé. Bon, donne-moi la hache, prends le bois que tu peux et moi je vais continuer, je peux encore de la force. Attends, vas-y, j'en fais un dernier, je te laisse. T'avais combien? T'en as laissé là, derrière ou pas? Non, je crois qu'elle a tout pris. Ok, je peux encore en prendre deux là. Encore un arbre et ensuite tu vas au camp et moi je termine ce que je peux. Ok, vas-y, encore un arbre. Écarte-toi, je regarde celui-là. Il a l'air bien celui-là. Non, y'a rien. Allez, s'il te plaît, frère. Je suis en full random sur celui-là, les mecs. J'ai mis 3 coups. Ok, tiens. Non, attends, repose le bois. J'ai rien pris. Non. Mais quoi? Il a disparu. Tu le vois pas? De quoi? Ah si, c'est bon. Qu'est-ce qui a disparu? Non, c'est bon, c'est bon. Ah merde, je dois le poser d'abord. Comment je fais? Je peux pas. Parfait. Je vais récupérer le bois. Attends, le camp il est vers où? Le camp il est vers où? Je pense que tu vas... Tout droit, non? Tout droit, là, dans ta direction, ouais. Ok. Comment ça a gelé, là? C'est tout droit à droite, non? C'est tout droit à gauche. Oh, c'est tout droit à droite, moi. Ah, c'est là, c'est là. FF, il part tout seul. Les gars, arrêtez, regardez, j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé? Ouais, c'est là, non? Le couloir comme ça. Oh putain! Sérieusement? Ah, je peux pas les mettre dans le stockage, j'ai ramené du bois encore! Et bien sûr! On peut les mettre dans le stockage? Le bois, tu peux le mettre directement dans le. Ah, c'est bon! Dans le feu de camp! Ah merde, tu vas les mettre dans le feu de camp! Ouais, ben. C'est pas grave, tu peux le mettre. Je l'ai mis dans le stockage, de toute façon. Tu y arrives le feu? Bah Narine il donne tout là apparemment. Et puis... Si tu... Je te l'amène encore. Si t'es fatigué, bois, on ça, peut... ça prend plus facilement. Si t'es fatigué, on peut essayer hein. En fait Narine, j'ai l'impression qu'il donne tout ce qu'il a mais il est trop nul. Je vais... Narine si tu veux... Narine, hein. Si tu veux fais une pause, on essaye. Oh non. Il fait trop froid. Je vais tomber dans les pommes. Pareil. Je vais mettre dans la cabane. Oh non. C'est bon, j'ai mis du bois à fond là.
Là, c'est rempli à bâbord. On peut pas l'aider. On va encore. Bah non, on peut pas l'aider. On peut rien faire pour toi. Il fait trop froid. Il faut qu'on se colle, il faut qu'on se colle, il faut qu'on se colle comme des pingouins. Ah oh non. C'est pas grave, c'est dans la tête. Sous, le froid, c'est dans la tête. Sous. Tenez les amis, j'ai trouvé une branche. Mais là dans le stock. Et j'en ai coupé 6 et c'est Clem... Comment ça s'appelle ? Ah ouais, c'est dur en fait. Comment ? Vous voulez qu'on essaye chacun notre tour ? Je peux essayer, si vous voulez. Oh putain. Les gars, vous inquiétez pas, je vois Narine faire... Je vous le dis, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Comment on fait ? Je sais pas, c'est très dur. Ouais, si Narine n'y arrive pas alors qu'il a fait les scouts, on est dans la merde. Avec quoi ? Avec tes filets ? Ça va, vous allez bien ? Ouais, sous... Ouais. Ah, vous essayez de faire du feu ? Bravo. Non mais on a tout, il faut juste réussir à faire le feu là. Les amis, je vais vous faire juste un rappel. Je vais vous faire un rappel avant les votes. Vous m'entendez? Oui. Ne négligez pas le sommeil, ne négligez pas la soif. C'est trop important dans la gestion de votre énergie. Votre énergie, si vous en avez plus, c'est fini. Il faut vraiment boire et dormir. Et vous oubliez trop souvent de le faire. Ouais, si tu peux commencer à allumer le feu, ce serait plus sympa. Oui, ce serait déjà pas mal. On pourrait bien avancer avec la soif. Mais Mathieu, je suis pas pour allumer votre feu, Mathieu, vous êtes malade ou quoi? Écoute, j'ai beaucoup d'argent, allumez ce feu et je vous rends riche. J'ai beaucoup d'argent. Ouais, j'en ai besoin pour nerfer un peu. Mathieu, vous êtes intéressé par la cocaïne? Je l'ai jamais eu, on me l'a jamais donné. Papa va vous offrir un yacht Lamborghini. Comment on essaye les mecs, c'est ça que j'ai envie de savoir. Acceptez. Prête-moi ta veste. Les gars, il faudrait qu'on discute ailleurs, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de concentration. Il faut vraiment beaucoup de concentration. Et il faut le laisser. J'ai pris le silex, mais je peux plus l'ouvrir. Je veux juste essayer. Allez, tu peux le faire. Allez, lâche rien, tu peux le faire. C'est incroyable. J'ai toujours cru en toi. Je vais aller me reposer un petit peu. On peut pas s'y mettre à plusieurs, non? Bah, c'est ce que je suis en train de me dire. Essayez, allez prendre un silex et venez l'utiliser ici. Comment tu l'utilises? Sur toi. Je peux pas ouvrir mon inventaire, les mecs. Je peux pas l'ouvrir en fait, mon inventaire, ça que je vous dis. Regardez, j'en ai un silex. Je peux pas le mettre sur ma... je peux rien faire. Je crois que j'ai trop froid pour faire n'importe quelle action. Allez, buddy. Tous ensemble, c'est un travail d'équipe, on va l'allumer ce feu, tous ensemble. Laisse-le surutiliser. À chaque fois que l'étincelle, c'est qu'il y a un succès. Et il faut enchaîner une dizaine ou une vingtaine de succès, voire même plus. Et si tu n'y arrives pas, si tu en rates, eh bien ça, c'est pour recommencer. Qui fait l'étincelle actuellement ? J'ai envie d'essayer d'aider. C'est moi. Alors le problème, en fait, c'est que là, on arrive sur un... Je pense que c'est une question d'entraînement. Ça demande vraiment un bon coup de main. Passez, je vais essayer de... Est-ce que je peux essayer ? Attendez, j'ai 20%. Attendez, il est bon là, il est très bon. Il est très très bon. Tu peux le faire, bravo, tu peux le faire. Buddy, le monstre. Mais y'a quelqu'un qui le fait en même temps ou pas? Je crois pas qu'on... Non. Mais des fois ça bête. Kermit, tu m'entends? Vous y arrivez les gars ou pas? On va y arriver. Abib, vous m'entendez? Oui. Je suis en train de vous chuchoter là. On a 3 minutes pour faire le feu. Ok, 3 minutes, c'est faisable, c'est carrément faisable. Pensez rouge, tu veux tuer le feu. Ah oui, on fait comment? Bah, je peux essayer alors. Il faut du silex. J'en ai un. C'est impossible, j'en ai un. Plus, j'arrive pas à le trouver dans mes poches. J'aimerais bien récupérer un silex, mais je sais pas si je peux. C'est vraiment le genre de jeu où t'es chaud. Ah ouais?
Laissez-le, soufflez dessus. Si Locke il dit ça, c'est pas pour rien, les mecs. Si Locke il dit ça, je suis peut-être l'homme de la situation. Non, c'est le froid. Ah merde, ok, putain, je décoroco pour rien. Mais du coup, il peut faire le feu même en ayant froid, c'est juste qu'il a pris le spot, ok. C'est genre un truc où tu dois appuyer sur E au bon moment, c'est ça? T'es sûr que ça doit être ça, la mécanique? Ça, c'est vrai que j'ai quand même... Je suis pas mal. Ah, FF. Putain, je croyais que je pouvais pas ouvrir rien, mec m'a dit de reconnecter, j'aurais pas dû l'écouter. Ah, cané. Permale. Ah lui, il faut vraiment que je regarde la rediff et que je le perma, c'est... Ça doit être ça le plan de ma soirée après. Putain, laissez-moi faire ça, je vous en supplie, j'aime trop ça en plus. Si c'est ce que je pense, c'est de la frappe. Allez, allez. On y arrive. Si tu y arrives, je te touche le torse, là. Ok. Tu peux le faire. Tu es capable. 82, 83. Je te fais même un massage des pieds, s'il le faut. Incroyable. 90. Je te fais une question. On y est, c'est un travail d'équipe. Let's go. Ah, mais te mets pas dans le feu non plus, hein. Non, mais j'aime toujours trop, je twerk. Ah, ouais. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est tellement bien. Ça va, ça fait du bien. Oh. Ok. Ah, je voulais juste voir comment c'était. Ce que j'ai pêché. Je pense qu'on a raison en même temps, ouais. À plusieurs, on a arrêté plus vite, hein. Oh, bah, il y aura plusieurs du coup. Alors, je crois pas, ça marche à plusieurs? Ouais, on était plusieurs, on était trois dessus, je crois, non? On était trois et on était quasi au max. Okay. On était quasi au max. Bien, laisse tomber, comment c'était dur. Bravo, bravo. T'as galéré tout seul aussi. Parce qu'il faut le faire à plusieurs en fait, c'est pour ça que tu galères. Plusieurs, c'est bien, Bien joué. À un moment, laisse tomber, comment j'ai enchaîné les bons trucs, sérieux. Les gars, je suis très fier de vous. On est une équipe, vous avez travaillé en équipe. Ah, c'était l'équipe de Dragon Ball, de DBD? Pour cet exploit. Je suis tellement contente. On le sera feu. Pour la prochaine fois tout seul, c'est bravo, impossible. Buddy, bravo, si vous êtes trop fort. Ceux qui savent cuisiner, vous pouvez faire des trucs oui, à manger. Oui, mangez. Il y a une sardine qui cuit, Les gars, m'avaient tellement manqué. Oh là là, incroyable. Ok, les gars. Jack. Mais toi, Douglas, trouve quelqu'un pour t'aider à gérer comment tu vas donner la nourriture. Tu peux parler des burgers? Je vais gérer la nourriture, mais par contre... Parce que tout le monde va se passer la nourriture. Parce qu'il me faut un burger. Oh... En vrai, quand il va y avoir des éliminés et tout, ça va être de la frappe parce qu'il y aura moins de monde. Je pense que là, il y a trop de monde, ça crash H24, je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi le bail. Et sur le PC flop sur. Ouais. Peut-être le répéter pour la 300ème fois aujourd'hui. Peut-être 450. Quoi, ça va marcher. Peut-être 530, 100, 70 fois. Peut-être un an et demi où on se répète. Il a une carte, il est parti en courant. Ok, il nous faut quelqu'un qui aille chercher du bois. On n'a pas le temps, on doit aller au conseil. On doit aller au conseil. Bah du coup je propose à ce que dans ce cas-là on mette dans le coffre et personne ne mange ce soir. Ok. Ouais. S'il y a personne qui... Non. Soit on mange tous, soit on mange pas. Attendez, il y a quelqu'un qui va mal là-bas, je vais l'aider. Écoutez-moi, alimentez le feu. Déjà, Jack mange. Alimentez le feu, faut pas qu'il s'éteigne le feu, ok? Mettez tout le bois qu'on a dans le feu. Il faut absolument pas que le feu s'éteigne. Si ça, on est mort. Ceux qui peuvent aller chercher du bois en attendant, vraiment. On doit y aller. Conseil, narine. Là, il y a 13 branches dans le feu pour l'instant, donc en vrai, ça va. Il faut y aller. Mettez tout, consume. Lewis, c'est quoi cette histoire? Oh putain. Bien joué, très très beau travail d'équipe, hein. Je suis fier. Hey, Jack. Ouais. Tu vas voter pour qui? C'est pas. Comment je suis chaudement on? En fait, c'est trop risqué. T'as un nom en tête ou pas? Bah non, pas vraiment. Je sais pas trop en vrai. Il y a des gens au début, j'étais sûr, mais finalement ils m'ont montré des belles choses, donc je sais pas trop.
Bah ouais, mais moi pareil, je voulais voter Tom. Mais Tom, il allait mettre le feu, je crois, non? Ouais, Tom, il a aidé au feu. Mais moi, à un moment, j'allais mourir. Il m'a donné de l'eau, il m'a porté. Franchement, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas qui voter, moi. Comment il fait ça, Alpusclic? Et le Rookmout, là? Le Rookmout, il saute ou pas? Il a fait quoi dans le camp, Rookmout? Ah, le Rookmout, il bosse, frère. Et c'est lui qui. Aïta? Le feu, c'est en partie lui aussi. Ah ouais, ok, putain, le merdier. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Et François et compagnie, là? Ils ont fait tout ou pas? François, je sais pas, hein. Moi, là, je sais que j'ai ramené Vla le bois. Jack, si je l'ai vu, il a ramené du bois. Moi, il y avait Anna et le banquier avec moi, et je sais pas, il y avait qui d'autre. Moi, si tu veux, il y avait Camélia. Camélia, elle est. Ouais, Camélia, elle a l'air d'être pas mal, ouais. Bah, viens, je vais là-bas, là. Viens à droite. Messieurs, descendez des bateaux, on va revenir d'ici deux petites minutes. Ah ouais, ok. Retournez à la plage, on arrive d'ici même pas deux minutes. Ah, ok. Ok, ok, ok. Jack, ouais. Ouais, je suis choqué. Ouais. Ouais, je t'entends, Big D. Ouais, je t'entends, mais j'ai. En fait, il y a un problème, c'est que tu vois, Lewis, tout à l'heure, on l'a croisé avec Mooch et François. Lewis, c'est Lewis, c'est le blond, c'est le blond qui ressemble à Brice de Nice. Ah oui, ok, ok. Ah, c'est Tom, c'est okay. Tom. Ouais, ça met Tom. Ouais, voilà. Il avait une carte de l'île, je lui ai dit, oh, t'as une carte. Il est parti en courant. Ah, il avait peut-être une feuille, non? Parce qu'il y avait des feuilles. Non, je suis sûr, c'était une feuille, j'ai vu, il y avait des détails. Et dans tous les cas, si c'était une carte, si, il n'y a rien à justifier pour être parti en courant. Mais est-ce que toi t'as vraiment mangé un burger ou pas? Mais ça, le burger, je sais pas de quoi il parle. C'est Lewis. Les gars, pourquoi ils nous prennent pas dans les bateaux? Et... on arrive pas à monter, je crois. On a plus assez de force. Attends, on passe un sac de gilet autour de toi. Ouais, j'ai ramassé une torche là-bas au. Attends, ah, bien joué. Bah bouge pas. Où ça? Ouais. Bah tu sais, en fait, on a le feu là, tu vois. Et j'ai ramassé une torche. Voilà, c'est Habib qui a le feu au cul là. Ouais, on est d'accord, tu confirmes. J'ai froid aux fesses, merci. Hey, tout le monde demain, il nous faudra plus de silex. Merci à Jotun. Parce que c'est silex qui nous permet d'allumer le feu et du bois en prio, comme ça on pourra. Mais sachez que on a. Je tiens à vous dire que le feu, on l'a fait parce que j'ai fait une invocation Toltec. J'ai du bois si vous avez besoin de quelque chose. C'est qui ça? C'est les esprits ancestraux qui habitent cette île qui nous ont livré 100 de bois. Sérieux? Eh oui. Les invocations, les moines et les évêques des mers qui hantent cette île. Ah, Naring, t'es un monstre. J'ai du silex juste une fois si ça vous intéresse. Ouais, moi j'ai ramené de la pierre. C'est Ganesh. C'est l'esprit de Ganesh qui nous a mis bien. Merci Ganesh. Alors, certes, mais en tout cas dans les codes cryptiques Wendigo des esprits malveillants, je te le dis, c'est les esprits. On est bien d'accord qu'autour de nous là, vraiment, il reste un petit blondinet qui n'est pas autour de nous, on est d'accord? Il arrive, je crois qu'il arrive. Ouais, il arrive, bah qu'il reste bien loin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Faites quoi là? Ouais. On attend le bateau. Attends, comment ça qu'il reste bien loin? Comment ça qu'il reste bien loin? Pourquoi il a fait En gros, le blondinet, il a trouvé une carte de l'île et il la cache à tout le monde. Ah, mais pourquoi tu le dis que maintenant? Pourquoi on pourrait croire? Parce qu'en gros, il nous l'a fait à l'instant. Les amis, on est d'accord? Tout le monde sait sur qui voter ce soir, on va pas. Si je peux me permettre après, Douglas, j'aimerais t'expliquer pourquoi t'avais un burger. Attends, tu l'as vu manger le burger? Ouais, mais sans doute burger. Là, ça mangeait un burger! C'est sûr ou pas? Ou c'est une rumeur? C'est une rumeur sur les bateaux! Il va nous poser des questions dans le conseil. Paraîtrait qu'il achèterait des burgers à 130€, ce qui est doublement une honte! Il veut pas lâcher le burger de Malouze! Ah, putain! Les gars, commence pas à me dire pas lui, c'est pas moi qui décide. Imagine. Pain sur. Aïe! Je ne sais pas quels sont les. François, viens avec nous là! Mais pourquoi il y a un caméraman avec nous? Mais juste laisser la place à monsieur. Laisse la place, caméraman. Descends, gros, laisse la place à François, gros. François, assieds-toi. Merci, les amis. Heureusement qu'il y a encore des bons sur cette île. Non, du coup, Habib. Là, il est sur le bateau, je peux te le dire. Habib, le truc du burger, c'est Lewis qui raconte. C'est ça que j'ai dit, je pense qu'il fait une rumeur sur toi. En fait, je sais pas, il sort 12 burgers. Après, tout à l'heure, t'as avoué quand même qu'il était bon le burger. Après tout à l'heure tu pues un peu de la gueule aussi. Ouais. Non mais ça, ce que ça, j'ai bu de l'eau de mer. Du coup, salé, ça m'a fait une haleine de. François, tu as voté pour qui en étant honnête? Mouloud, pour être très honnête, on a fait un pacte il y a une dizaine d'heures et je pense qu'on est toujours sur le même vote. On peut rester sur le même vote? Ah, je crois qu'on va rester sur le même vote. Il faut pas pouvoir, il faut être sûr là. Ok, bah on va être sûr alors. Moi, Bib, je suis sur la même que François, comme ça tu sais. Vas-y alors, on va suivre le pacte. On est tous d'accord que c'est de la même couleur que ce beau bateau. On est bien l'impression. Ah bon, ciao. Putain, en plus je déco en plein milieu de l'eau, c'est le suis, frère.
Mais en vrai, j'ai envie de le voter, mais j'ai pas envie de le voter parce que, en vrai, à la fin, il s'est bien rattrapé quand même. Tout le monde a crash et un mec l'a dit, il y a que toi qui crash. Honnêtement, je vous en supplie. Soyez. Ça crache ou quoi? Ah voilà, ça ouais. A ouais, ouais, ça crache. Ah oui, ça, ça a crash. Ça a donné des mauvaises infos, j'en peux plus. Mais ça a l'air de se reconnecter vite en vrai. Je pensais que c'était que moi. Et vraiment, mais non, je suis trop peur, gros. Et jusqu'à la fin, les jaunes, hein, y'a rien à faire. On est maudits. Y'a rien à faire avec les jaunes. On va remonter, on va remonter. Qui est-ce que vous êtes nul, frère? Non. Non, mais non. Je recrache. Incroyable. Hein. J'ai recraché mon micro. Mathéos, mon micro pendant une heure. Ah, j'arrive pas à une heure. C'était quoi ton problème? Mais en gros, le micro que du serveur, je crois que j'ai crash sur le serveur une fois et mon micro, du coup, il est en mode. Ah ouais. Ah, j'ai crashé, c'est gerpé. Ah, j'ai recrash, ouais. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. Ah non, mais en gros, j'ai bu de l'eau et du coup, j'avais mal à la gorge. Ah d'accord, ok. Moi, j'arrive plus à me courir. Vous arrivez à vous courir? Non, non, c'est un crash. Relance. Il a mis un message, je le lis, c'est bon apparemment. Ah, mais attends, c'est un crash 5M carrément, non? Relance, c'est bon là. Ah, 5M en ce moment, ça a moi, mal, ça a l'air bon, ça a l'air bon, moi. Moi, ça c'est plus les. Tout, ah, bah non, ça a rebug. Ouais, ouais, non, non, 5M ça crache en boucle là, mais c'est 5M là. Ouais, c'est 5M. Ouais, je crois que ça crache en boucle. C'est pas, il est trop tard peut-être? Genre, il commet 1h30, je sais pas. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est bon, les gars, à demain. 1h30, c'est pas technicien, je t'en supplie. Mais j'ai une question, C'est-à-dire que là, si on va tous dormir et personne ne va au conseil, y'a pas d'éliminés en fait? Non, y'en a aucun. Ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'as tout compris. Après, moi, je pense que ceux qui vont pas au conseil sont éliminés d'office. Alors? Ah. Ouais. Ouais, ça marche pas. Ah, vous aussi, ça a bugué? Putain, on va pouvoir bon, faire bon, les votes sur Discord, les mecs, je vote Péfut. Aïe, aïe, aïe. Oh, le bâtard. Je connais pas Péfut, je connais pas. Allez, je vote pour le caméraman, moi. Ouais, ouais, pareil. Oh, je crois que ça crache plus. Non, ouais, c'est bon, ça a l'air d'être. Ah, merde, ça recrache. Ça recrache. J'ai la fin, ça recrache. Bah, moi, ça recrache pas. Il a perso. Je vais être le solo conseil, OMG, j'ai gagné. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Attends, t'es dans la game, Mathéos, là? Là, ouais, je suis à 80%. Non, ça a crash à la fin. Non, mais tant que t'es pas co, c'est mort. Tu vas voir, tu vas voir. En fait, j'arrivais sur la map que c'était co. Chape bien, chape bien. Vous croyez que je suis où? 100%? Ça crash à la fin. Mais oui, on va voir. Ah non, moi. Moi, je suis dedans. Je suis dedans. Oh, je suis dedans. Moi, j'ai crash. Je suis dedans. Ah non, c'est vraiment co. Non, ça crache à la allez fin. Allez, ça crache encore, ça crache. Ah, vas-y, tu sais quoi, eh, les gars, venez on arrête ce coup, parce qu'en fait, on va peut-être des deux sur le serveur, on entend plus lui, ils disent go. Non, mais je pense que c'est 5M, là, ça n'a rien à voir avec des DOS ou quoi, je pense. Après, hein. Loli, il avait dit go, là. Ouais, il avait dit go, ouais. Ah bon? Bah, il a dit go, vous connectez. Loli, il a dit, ouais, il y a eu un crash, a eu lieu, vous pouvez vous reconnecter. Putain. Il a dit ça il y a 3 minutes. Mais il a dit ça où, wesh? Ah ouais. Annonce. Sur les annonces. Ouais, mais là, les 3 minutes, ça marche toujours pas en vrai. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un message d'erreur 5M là, c'est pas. Bizarre. Moi, j'ai dit, moi, je pense que c'est 1h30, il y a une maintenance, quoi. Mais non. Arrête d'inventer au hasard, de parler au hasard. Ça marche pas comme ça, 5M. Non, moi, j'ai envie de dormir là, Seigneur. Ah, c'est bon pour ma part. Attends, par contre, c'est moi, les rouges, ils se détestent, ils sont tous mute. Mais oui, ils se détestent pour de vrai. Ils se détestent pour de vrai. C'est que le RP, ouais. Il y a pas une blague là-bas. Pas de metagaming. Vas-y, à tout à l'heure. Moi, je vais pas dire, mais... Non, c'est dire, mais... Voilà, ça, c'est incroyable. Bon. Ouais, l'équipe. Ouais. Ouais. Ouais, tout était déposé là. Putain, j'ai fait une sieste dans le bateau. Ouais. Vous allez éliminer qui les rouges? On va pas avancer, s'il vous plaît. Il faut juste rester ici. Et vous rangez par camp, s'il vous plaît. Ah, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Rangez-vous par camp, par camp, par camp. On doit se ranger par camp. Les jaunes, les jaunes. Les jaunes. J'ai tapé une sieste dans le bateau, les gars. Je crois que c'est en haut. Les jaunes. Mettez-vous sur le bateau. Ensemble. Ouais, ça va. Bon, quoi qu'il arrive ce soir. Bonne chance. Putain. Eh hey, Mouch, toi aussi t'as dormi dans le bateau là? De quoi? T'as dormi dans le bateau toi aussi? Ah, j'ai dormi moi. Mais non, mais les gars, le serveur a crash, je comprends pas. Quoi? Le quoi? Hein? Bon, t'es ban, allez. Y'a un serveur. Y'a un serveur dans le gars. Attends, c'est quoi? Y'a un resto? Y'a un bar. Moi je suis un ingénieur informaticien ici. Excuse-moi, y'a un PC, je peux faire des trucs. J'étais dans mes pensées.
Il est là, lui. Il est criminel de guerre avec sa veste. On n'a pas le droit de parler, les rouges et les jaunes, on doit être séparés là. Ouais, c'est le ça. Rouge, ouais. Va traîner, c'est vrai. Oh, je le rouge, vrai. dégage avec tes faux amis là. Je suis en blanc, Bon. Jack, tu fais peur là. C'est quoi cette pose? Tu veux te battre? C'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Attends, quoi? C'est Tiao Zhu! Lui, c'est Barry, en agent, et je crois qu'il voulait qu'on le suive. C'est vrai. Attends, la déco, je m'occupe de la déco. Eh bébé! Allez, c'est vous qui distribuez les burgers à Douglas? Allo! Des burgers, non, moi je fais juste la déco. Mais la déco de quoi? On est sur une île déserte. Quelle déco? Allo! On est sur une île déserte. Attends, merci, ouais, j'ai eu peur. Vous avez un vrai crâne, monsieur. Un crâne de fou. Moi, j'adore. Ah, merci. Pour la ref. Arrête jamais cette nymphomane. Il faudrait que. Je parle de son blog. Je vais voir si le caméraman est prêt. Il faudrait qu'il y ait à chaque fois un rouge et un jaune qui viennent avec moi. Je vais venir vous chercher à chaque fois. Il n'y a pas de. On doit pas se parler avant? On va juste voter? Ah, il n'y a pas de. Là, vous allez aller voter. Ah, il n'y a pas de. Ok, ok. Oh, je pense qu'on va aller où est monsieur Mathieu. Parlez vite, les gars, parlez vite. Venez, on parle. C'est dommage, y'a pas d'affrontement, on parle tous au conseil comme dans l'émission qu'on adore. Mais les gars, ça va choisir un élément. On vote qui? On vote qui? Bah après. C'est pas, on vote qui? Chacun va voter, mais. Il y a des questions et tout. C'est fini, gros. Bah ouais, là, ça va voter direct, là. C'est qui les trois sur la sellette? Y'a pas de conseil. Non, tout le monde sait qui on va voter, vous inquiétez pas. Ouais. Il y en a, ils sont sûrs de. Ouais, mais celui qui sait pas, frérot, ça veut dire que. En vrai, coup, on va... Mais c'est moi qui sais pas, Zebi, putain. Celui qui sait pas, puisqu'il doit être en train de suer, gros. Il y a un mec qui dit, ah putain, je suis pas au courant là, c'est bizarre. Non, mais Jack, tu viens d'arriver, toi, t'es un bon. Jack, s'il faut que tu prouves encore, t'inquiète. Il y en a qui ont mangé des burgers alors que d'autres étaient en train de crever de faim. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est fou l'histoire du burger. Par contre, c'est un mec qui a une carte de Lille qui la montre à personne. Eh, je t'emmerde, fils de pute! Y'a pas de carte! Tu l'as vraiment vu manger un burger? Il a même avoué qu'il avait mangé son burger, il a dit qu'il allait s'écrouler. C'est vrai que tu l'as avoué. Mouch et François, écartez-vous, laissez-les mettre face à face. Douglas. Il a une carte de la ville de Lille. Douglas, c'est le banquier, mettez-vous face à face et un par un vous allez parler. Ok. Vas-y, parle en premier. Communiquez. On t'a vu, on est plusieurs à t'avoir vu manger un burger sur la plage quand tu croyais tout seul dessus. Quand on t'a posé la question, tu as dit. Je me suis juste endormi, quand je me suis réveillé, j'avais un burger dans les poches. Et ça, et je peux confirmer. Mangé. Et voilà, et tu l'as mangé. Tu l'as mangé ou pas, mangé, le burger? Tu ne l'as pas partagé. Un Big Mac. Ou alors il l'a caché. Tiens. Et maintenant je vais répondre. Qui d'autre l'a déjà vu? Attendez, il a son droit de réponse. Première question, c'est qui on? Ensuite, j'ai jamais vu de burger, moi, donc c'est peut-être toi qui m'as glissé dans la poche. Et ensuite, avec Mouch et François. Attends, s'il l'a glissé dans ta poche, c'est que tu l'as vu. Ça n'arrive à perdre de situation. Et quand avec Mouch et François on ramassait de la bière, de la pierre et du bois. De la bière, de la burger et de la bière. Oh, bah, non, de la pierre. Non, on l'a vu avec une carte de Lille. C'est la belle vie pour toi, hein, sur. Quand je lui ai dit, tu fais quoi avec cette carte? Il est parti en courant. Jack. Il a dit les prolos. J'ai d'autres objectifs, moi. Donc tu penses qu'à toi, je pense qu'à ta pomme. On okay. Pourrait peut-être parler de cette carte que notre ami en jaune a. Mais je n'ai pas la carte. Montrez-moi la carte. Montrez-moi la carte. Bah on va te fouiller. Mets-toi. Mets-toi en slip, on va te fouiller. Faudrait peut-être qu'il l'a caché. Il l'a caché. On l'a tous vu. Et n'oubliez pas qu'il a volé le sac de boue de François pour espérer gagner une épreuve. Alors que c'était une épreuve. Ça c'est vrai. Très important, qui a vu la carte et qui a vu pour le burger? On va les confronter directement. On commence par la carte, levez la main. Okay. La carte, levez la main. Moi j'ai vu la carte. Moi je l'ai vu. On était trois. Vous êtes que deux là, il y a que deux qui lèvent la main. Je l'ai vu aussi. Qui a vu le burger? Levez la main, le burger. S'il vous plaît, attendez pour le burger. Pagnon là, pignon. Douglas a avoué. Pingouin. Toi, tu as avoué que tu avais mangé un burger. Ah bon? Il a dit qu'il avait trouvé un burger. Il s'est endormi, il avait un burger dans sa poche. C'est une rumeur de Lewis pour moi. Mais moi, j'étais là quand t'as dit que tu l'avais mangé. Douglas, c'est bon, il est bizarre. C'est bon. T'as mangé un burger ou pas? Bon, est-ce que t'as mangé un burger ou pas? C'est aussi ça, bien voulu. Il faut que ça sorte. Mais pourquoi t'as dit que tu l'avais mangé alors que tu l'avais pas mangé? Faut t'avouer, à moitié pardonné. Dis-le. Non, oui, la vérité. Oui, oui. Lewis a mis un burger dans ma poche. Oh bah oui, Lewis, toujours Lewis. Donc, oui, attends. Donc il y avait vraiment un burger. Et il est où maintenant le burger? Attends, laisse-le, vas-y, exprime-toi. J'ai la vérité. J'ai mis un burger dans ma poche. Je voulais manger un seul bout et je voulais donner le reste à Bud.
Mais par misclic de l'index, j'ai mangé un autre bout du burger. Ah ouais, non mais super. Il y a juste un moment, il n'y avait pas de burger et maintenant il y a un burger. Écoutez-moi, écoutez-moi, laisse-moi finir, toi, le banquier qui nous déteste. Ouais, 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 ce burger, banquier. Moi, c'est mon père qui est banquier. Si, et si j'en ai rien à comment faire, j'en aurais coupé chaque part. J'en aurais coupé en 12 parts. Pour c'est facile de changer. Et pourquoi t'as pas avoué alors, ce burger sur le fait. Ouais, donc vous savez pourquoi, parce que regardez, je suis honnête, parce que j'ai eu peur, parce que ce burger, c'est pas moi qui l'ai mis dans ma poche. Donc nous, on crève tous de faim, tu manges un burger. Après, c'est avec un bout de burger. T'avais juste à dire, il y avait un bout de burger, je l'ai mangé, tout le monde l'aurait mangé. Mais t'as menti. T'as menti sur ça. Non. On a été obligé de te confronter et de te pousser dans tes retranchements j'ai pour que tu dises heureusement qu'il y avait vraiment un burger. Heureusement que je me suis rappelé que t'as dit « Ah oui, mais j'ai trouvé un burger dans ma poche, je sais pas quoi. » Je n'ai pas trouvé de burger, c'est Lewis qui me l'a mis, justement, pour Discord. Mais oui, bah oui. T'as dit, il y a changé de dire que t'avais pas vu de burger. Tu changes de version parce que t'es dans la sauce, mon gars. T'es dans la sauce. Après, regardez, il y a plusieurs témoins qui t'ont vu avoir la carte aussi. Exactement, ah oui, mais on n'oublie pas la carte de Lille, on n'oublie pas la carte de Lille. Et là maintenant, je sors un dream, et du coup, c'est la bite. Est-ce qu'on peut en vouloir à un homme d'avoir mangé un pauvre burger non, pour sa survie? Non, on peut pas lui en vouloir. Sachant qu'on est tous dans une merde. Non, comparé, on peut pas lui en vouloir. Comparé à quelqu'un qui a une carte qui peut servir au bien de toute l'équipe et qui la garde que pour soi. Vous en pensez ouais, quoi? Ouais, c'est grave. Non, ouais, c'est grave. Ça, c'est dur. Vous en pensez quoi? Les gars, moi j'ai assumé, j'avoue, j'ai eu quand peur. Quand on était dans les hélicoptères, t'as raison d'avoir peur. T'as raison de carte. J'avoue, j'ai eu peur, mais j'ai assumé pendant Stéphanie, que quand on était dans l'hélicoptère, qu'est-ce que j'ai dit? Il cache encore. Est-ce que ce serait bien de cartographier l'île vu qu'on la voyait du ciel? Est-ce que j'aurais dit ça si c'était pour la garder pour moi? T'as dit que tu voulais cartographier du ciel, mais ça veut rien dire? Peut-être que t'avais cette j'aurais pas donné cette stratégie si je voulais la garder pour moi. On allait mourir de froid en allant dans la jungle là pour aller chercher du bois de merde. Il faudrait un jaune, s'il vous plaît. Alors la carte. On n'a pas eu le temps, on a dû sauter. Il nous a dit de sauter derrière. On n'a pas eu le temps. Vas-y, vas-y. Un rouge avec moi, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Douglas. Moi, j'ai un bien vu d'avoir avoué à la fin. J'aimerais parler. Merci. Et ça, c'est ça. Moi, la vérité, j'ai eu peur. Parce que ce burger, je sais pas, il sortait d'où. Ouais, ça demande du courage. C'est normal. Mais même moi, j'aurais mangé. Il met des bâtons dans les roues. Moi j'ai vu, on a vu. Ils font quoi les rats là? Ouais, vous faites quoi là? Ils veulent quoi eux là? Oh, oh, mais les rouges là, revenez ici là, revenez ici. Il y avait pas d'indices autour de nous, ça dégage. Oh, les gars, pendant que vous battez, tenez, pendant que vous battez les rats. On va pas le manger cru, tu peux faire. Tu vas pas manger comme ça. On le ramène au camp. Ah vas-y, parfait. Envoie la canne à pêche, moi aussi j'ai essayé. C'est de la politique, monsieur, ça c'est de la politique. Tiens. Une canne à pêche? Non. Là, monsieur Jack, vous faites de la politique. Tiens. Prends par terre, je t'ai. Ah, incroyable, une canne à pêche. Tu l'as par terre. Ouais, merci. Mais tu l'as pas prise. Attends, je vais la mettre là. Ok. Et là, je t'explique. T'as pêché quoi? En fait, avec, tu vois, sur la canne à pêche, ouais. T'as un pad directionnel avec lequel tu peux bouger le bouchon. Il faut le mettre le plus loin possible. Non, forcément, je bouge un petit peu, tu vois, genre mets-le une distance, tu vois, tout. Ouais. Et dès que ça mord, faut que tu fers. Tu fers, exactement. Tu fers et alors, t'es gaffe, parce que à toute fin, t'auras une action à faire, en fait tu le verras sur l'afficheur LCD sur la canne à pêche. En bas à gauche de l'affichage LCD, t'auras une touche sur la canne à pêche. Ok, Stéphanie gros. Mais là faut pas bouger quand j'ai mis le pont. Non, bouge pas, ça m'a peut-être en bord. Ok. On a trouvé une page, mais elle était vide. Oui c'est vrai. Bonne chance. Vous avez pris autant de petits poissons. Je vais essayer, hein. Ça doit être des réflexes. Bah ouais. Je vais te poser là. C'est bien. Attends, t'as nous pêché un truc là? Non, je suis en train d'arrêter de faire du bruit. Ah bah ouais. Excusez-moi, j'ai une question importante. Ouais, vas-y. Avec Bud, en se promenant, on a trouvé une page qui avait été déjà prise et arrachée. Est-ce que quelqu'un a récupéré une page? C'est moi, je suis en train de pêcher en attendant. Bah c'est pas la carte de Lewis. Non mais... Toujours pas. C'est interdit. J'ai pas compris, là, on n'est pas au camp, là. Ah, moi, c'est ça, je voulais me faire un petit sushi avec. Si je ouais, mais ça fallait faire ça avant, je crois pas les commander avant, je pense. Regarde la c'est pour les caméramans. C'est caméramans, vous avez faim? Allez, sortez là. Regarde-moi ça. C'est tu arrives là, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, j'arrête. Mousse, t'as pêché ça? Le problème, c'est que quand on trouvera, ce sera une illumination. Incroyable, frère. C'est pas incroyable. Moi, je préfère. Tu vois, je te la rends. Elle a commencé à me dire Non, stop. Je dis oh, viens là. Peut-être que c'est la page. Et toi, la carte, tu l'as pêché, t'as dit toi, tu vas carper plus loin. Je lui ai carpé sa mère. Tu vas carper sa mère, bien, gros, t'es elle a rien pris, con. Tu la veux? Tu la rouge et un jeune. Non, t'inquiète, je te la laisse. Allez. Ah bah okay, vas-y, Tom. C'est à qui? Non, les hommes qui portent du poisson, ils sont vraiment hot. Oh, comment il s'appelle le trou de cul de banquier déjà? C'est quoi son nom? Tom Lewis, non? Tom Lewis. Ça, c'est de la carte, je te le dis.
On va enfin manger peut-être. On va plus crever de faim. Ah, ce serait pas mal là, parce que dans le fond, on est tous en train de se faire. Vous avez voté ou pas encore? Pas encore. Non, pas encore, pas encore. Mais du coup, on va chez qui là? Moi, j'ai coupé trop compris. Bah là, en gros, c'était entre Lewis et moi, je crois. Mais Lewis, quoi, non, mais ça va... il a pas assumé pour sa carte. Ça va voter Lewis. Après, Lewis, je vous jure, à la fin, il charbonnait. Hein. On est parti chercher du bois et tout. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, franchement, à la base, j'étais en mode. C'est un chien parce que. Par rapport à François. Après, il s'est rattrapé. Après, il m'a fait le coup de la carte. Plus. Mal nous parler, trahir et tout. J'étais en mode. Ah, non, c'est ce qu'il a fait à François, c'est pas sympa. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait le jeu individuel. Il a vidé le saut de François. Habib, tu parles plus fort. J'entends pas. Ah, pardon, ouais. Pendant l'épreuve de la boue. Ouais, pendant l'épreuve de la boue, il a vidé le saut de François dans le sien. Du coup, François s'est retrouvé avec zéro. Mais c'est une blague. Qui a fait ça Tom Lewis. Lewis, le blond là. Tom Lewis, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais Tom Lewis. C'est vu qu'il est pas vu, pas pris. Il saute. Je crois qu'il va sauter. Ouais. Arrête, de toute façon, là, je pense que c'est scellé. Après, sur la fin, comme j'ai dit, tu vois, il montrait des nouvelles qualités. Mais oui, c'est ça. En fait, même moi, alors que franchement, il m'a fait que des crasses. Même dis-toi, moi, je t'ai dit, il a dit le jeu est trop moche. En fait, arrête de spam déjà ta grand-mère. Plus, hier, tout le monde m'a dit de baisser la qualité du jeu pour éviter que ça bug. Et maintenant, je dois augmenter le jeu. S'il vous plaît, les mecs. Avec la carte, on l'a dans le cul. On fait semblant là, dans ce cas-là. Du coup, tu penses là, sur la fin, faut. Moi, sur la fin, j'ai fait du bois avec lui, donc je vais essayer de le cheb, ok? Ouais, exactement. Ouais, faut mieux un tête à tête que tout le monde, parce que sinon, il va pas nous croire. Hein. Ouais, okay, sinon, faut que tu dises genre, ouais, tu vas accuser. En fait, je vais en rajouter sur toi, Douglas, ok? Je vais en rajouter sur toi, même devant tout le monde, comme ça, il va voir que c'est réel. Mais je n'en pense pas, moi. Enfin, j'en pense pas du tout. Je sais pas si ça marche. Moi, je peux lui dire que je peux lui toucher le torse. Pas trop dans tout le monde non plus, hein. Ouais, t'inquiète. Devant un 2-3, quoi. Devant vous. Ouais, voilà. Attends, je vais aller le voir. Ça commence à puer, par contre. Ah merde, il est... T'arrives à pêcher un truc, Jack, là? Ouais, en fait... il est en train de vider l'océan, là. Au moment où j'allais la sortir, genre, en fait, elle s'est enfuie. Là, j'ai le démon. Ah, c'est galère, ça. C'est parce que t'es trop charismatique, tu vois. Non, mais Mouchi, il a une carpe, hein. Ouais, j'ai une carpe dans les mains. Je l'ai pêché tout à l'heure. Celui qui trieur quand même, c'est 14 jours, hashtag. Non, mais frère, voilà, c'est... Moi, je tiens à dire quand même qu'on a l'air beaucoup plus pixels, y a pas de pixels. Après, je rentre directement. Côté, en fait, nous, Japson, on a une équipe. Trop énervé là. Là, on est encore en train de se courir, c'est encore brut, mais on rigole bien alors que les Ouais, rouges, c'est ça, ils attendent ils juste. Sont ils sont chers, tu vois bien, pour l'argent. En fait, pour comparer, c'est un peu comme si eux, c'était une entreprise froide avec 1000 employés, alors que nous, c'est une start-up avec 15 mecs super. S'il y a une réunification, je souhaite à tous les jaunes de se serrer les coudes en réunification. En français, hein. Si la réunification des rouges, après, on n'a même pas encore éliminé quelqu'un. Je pense que la réunification. On peut attendre. On pourra attendre. Ouais, on se réunit. Allez, Théma. Ah, t'es trop fort. Oh, le petit poisson. C'est un macro. C'est un thon. C'est un petit thon. Un thon, je voulais dire. Un petit thon. Ouais, c'est un petit thon. C'est sexy, ça. Uh-huh. Ouais, parce que là, c'est un petit thon. Parce que frérot, normalement, un thon. Hey. Tom, il est lent son vote. Ils l'ont pas envoyé encore. Ah si, il est là-bas. C'est lui là-bas. Ouais, mais il est pas encore au truc des votes, c'est tout là-bas, non? Ah ouais, t'as raison. Regarde, c'est là-bas. C'est ceux qui attendent, ouais. Tu penses qu'ils le fouillent? Je sais pas. Mais imaginez, s'il a une carte et qu'ils le prennent, comment qu'on fout? Ouais, j'y vais. Vas-y. Venez avec moi. Eh, Big D ou Habib, quelqu'un peut prendre le... Le hôtel, enfin le poisson là dans les mains, s'il vous plaît. Allez, je le laisse à Habib. Non, je le laisse à Big D, moi. Moi j'ai déjà un hôte. Vas-y, prenez les gars, après pas t'es trop. Prends-le, Big D. Mais t'es sûr, pensez au camp, pensez à la maison. Il a là, au pire, après moi, ça veut dire, je suis en train de faire. Regardez, c'est trop dur. Elle a pris. Anna la bosse. Ah, bien vu, Anna. C'est parce que moi j'ai des petits bras, je peux pas porter un lourd poisson. Allez, un jaune. Bah, je vais pêcher. Eh, j'ai pêché Ganesh. À nous là. Ah, tu repêches? Ah ouais, toi t'es en mission là. Après, on rentre avec 10 poissons. Ça, moi j'ai tué la canne à pêche 2 minutes, il est venu m'embrouiller l'autre. Ouais. Qui c'est? Je crois que t'as un pas à ce canne à pêche toi. Quoi, la prod ils t'ont embrouillé, c'est des chiens. Ah, ils m'ont embrouillé, ils m'ont dit, tu crois que t'es au camp là? Tiens. Arrête doucement. Mais Darin, ça va, Jack? Oh, bah t'es un petit ruban. Mais c'était violent ça. Oui. Excusez-moi. Oui, Axel. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Vous n'aurez pas un petit truc à me dépanner pour manger, s'il vous plaît? Personne dans ton groupe te donne à manger, Axel? Personne s'occupe de toi? L'IGIB. Je laisse pour les autres.
Je pense aux autres avant moi. Axel, tu vas parler à l'équipe médicale. T'es vieux frère. T'as le droit d'avoir de l'aide, toi. Oh, j'ai la même chose. Mais attends, mais du coup, on voit pas qui y vote en fait. Ah non, sinon c'est. Bah, non, c'est, non, le mais c'est à la fin, il va tirer les papiers. Ouais, mais tu l'as vraiment gagné? T'as vraiment gagné une épreuve? Oui, je l'ai gagné. Attends, mais t'as gagné quoi? Ah, bah, l'épreuve individuelle. Il a le totem. Bravo, en tout cas, bravo. Incroyable. Axel. Bravo. Axel, c'est moi qui vote. Donné à mon. Non, on peut pas. Axel, par hasard, vous pensez plus sa mère. Axel, tu penses qu'il faut éliminer qui chez toi, les rouges? Pas. Ah, t'as voté qui toi? Mais je sais qu'il y a un trou du cuir, on branle pas une sur le camp. Ah, vous aussi? Vous aussi? Il veut juste soulever des meufs. Ah putain, je crois voir c'est qui. Je crois voir c'est qui. Je pense qu'on voit qui c'est totalement. Je me demande c'est un roux? C'est un roux? C'est tatoué ou pas, Axel? Est-ce qu'il a une voix aiguë, Axel? Je crois bien. Tu l'avais maintenant? Bah, c'était fou l'an passé, oui. Alors, en fait, lui, il est pas là pour gagner, lui, tout à l'heure. Oh. Oh, vous. Mais si tu veux, je t'appelle. Force, Axel, tu m'as grosse canne. Non, ce gym fait de la peine, ça se voit, personne. Il est pas dans leur équipe. Non, si, ouais, je suis. Vas-y. Il a l'air bien. Bah, non, tu vois, t'as vu comment il parle lentement. Ah, mais ça y est, après, au bout d'un moment. En fait, faut lui dire de speeder un peu, on a pas le temps. Narine, tu les as eu, tes crocs? Il a pas mal. Tu les as eu, c'est craqué. C'est à qui de voter, wesh? C'est quoi ce conseil? Ouais. C'est des quoi? Narine. Ah. Non, il est bien gentil, notre Axel. Bah oui. Merci. Allez, j'enchaîne. Mais. Non, on est vraiment trop sexy. Nous, on a un charisme que les jaunes n'ont pas, que les rouges n'ont pas. Oui, mais on perd c'est toutes pas, les épreuves. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est une bizarre, merci. Mais Lewis, c'est un truc de droit. Lewis, il tape des caméramans, non, mais ça le problème. Mais ça regardez, Lewis, il course des caméramans. Non, mais lui, ça y est, bien le tège, hein. C'est trop, hein. Je sais pas ce qui se passe. En fait, on peut pas le tège. Putain, mais il fait chier, lui. Il va y avoir des éliminés, ça va être exceptionnel, les mecs. Mais là, je pense qu'il y a trop de monde. C'est tellement chiant, ouais. Ah, t'es chill. Ça, tu l'as dit. Frère, je suis fatigué, plus le chat il m'a trop trigger tout à l'heure. Voilà. Il est bien utile. Ah, tout à l'heure, c'était abusé, frère. Tout à l'heure, c'était vraiment abusé. Il y en a, ils se plaignent trop. On va faire se mettre un petit groupe à aller chercher de l'eau là, quand on sera là. Ils aiment trop mentir pour rien, ils rendent ça. Ça me fatigue encore plus. Après, je suis trop énervé, j'ai juste envie de cut et de chill. Oui, mais on s'en fout des pierres. On ira miner la pierre. L'eau, faut aller la boire en fait. On n'a pas de. Oui, voilà, on n'a pas de bouteille ou quoi. Les bols, non, les bols, les sandwichs, je l'ai mangé en différé, frère. Ah merde, ça ouais, mais ça y est, je suis chill maintenant, t'as eu. Je suis chill sa mère, je verrai à la fin. Je pense pas que je vais streamer. Mais si les bols ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on sera oui. Tout le temps obligé d'aller les fins fonds de l'univers pour aller non, voir. Les bols ça marche pas. J'ai ramené mon bol tout à l'heure et l'eau elle passait à travers. Ah, les amis, les bols c'est pour faire des soupes. Lewis ouais, a faire... tabassé la prod. Peut-être des remèdes. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Il a dit qu'il faisait des montages et qu'ils humiliaient les jaunes et donc il a tabassé la prod. Je suis désolé, mais il est trop sanguin, c'est pas possible. Mais pourquoi il a fait ça? Il va nous faire éliminer comme des mardes. Je sais pas. Il était énervé contre la prod et... Abib! Abib, c'est pas Mouloud, quoi. Pardon, appelle le coach, Oui, coach. On est toujours d'accord sur la stratégie? Bah, la stratégie de voter Lewis, ouais. Ouais, ok, bah tout le monde est d'accord. Surtout après ce qu'il vient de faire... Je pense que tout le monde est d'accord. Les gars, vous avez voté tous? Non, pas moi, Ah bon. Non, apparemment, c'est un... Il est trop con, il a parlé d'une stratégie devant tout le monde. C'est à quoi, François? Non, sur maman, ça marchait pas, j'arrivais pas à écrire. Okay. J'avais une crampe. Ah, Bib, je peux te parler, vieux père? Ouais, bien sûr, Jax. C'est Jeff, pas Jack. Ouais, dis-moi, j'ai eu des échos comme quoi j'allais carab de l'aventure ce soir. Non, impossible. C'est qui? C'est bien le banquier, on est d'accord? Ouais, je crois que tout le monde a voté le banquier. Unanimement. Moi, j'ai voté le banquier. Ouais, moi j'ai voté le banquier. Scam, là. Non, je te jure, j'ai entendu. En tout cas, personne, moi, m'a dit aujourd'hui, je vote Jax. J'ai pas entendu ton blaze une seule fois. Ok. En plus, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que t'avais ramené du bois aussi. Ouais, j'ai ramené du bois, de l'eau, et j'ai sauvé les fesses de Douglas. Après ça, je sais pas si c'est une bonne chose, mais. Non, mais on le garde pour le prochain tour.
Je rigole, là, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Moi, j'ai même dit que t'avais ramené du bois et tout, mais personne n'a dit ton nom. Tu vas rester, c'est ouais, sûr. Ouais, c'est réel, j'ai ramené 8 bois, c'est réel. Tu vas rester, c'est sûr, c'est sûr. Là, ah, c'est le banquier, là, il va se tailler. Ouais, c'est un baiser, mais la carte, du coup, il l'a vraiment, et elle est où, là? Ah, je sais pas, ça, c'est Douglas qui dit qu'il a la carte. Mais en gros, avec François et Mouch, on l'a vu sortir une carte avec plein de détails et tout. Mais vous avez vu ce qu'il y avait dans la carte? Bon, on n'a pas le temps, parce qu'en gros, je lui ai dit, oh, t'as une carte? Moi, tu sais, je suis en mode, bon, on va montrer à l'équipe, il est parti en courant. Mais du coup, tu l'as vu avec la carte dans les mains, en train de lire, de marcher avec. Non ouais, c'est ça, en gros, il marchait avec la carte dans la main, et je lui ai dit, oh, t'as une carte, il est parti en courant. Waouh. Douglas, hey. Là, je te parle dans deux secondes. Vas-y. T'as vu? C'est comme les mimes. Regarde, les... encore plus fort. T'es mal poisson. T'en as encore poisson, eu un. T'es mal wow. poisson. On va se régaler. Abby, prends-le. Donne-le à Tom. Bah non, moi je vais sauter, ça sert à rien. Mais non. Des années d'entraînement. Ils sont tous mis ensemble pour voter contre ma gueule, bien sûr. Mais non, il y a des gens qui votent contre Douglas parce qu'il avait le burger. Même pas partager son putain de burger. En gros, Tom, regarde, je te dis un truc. Si tu nous dis où t'as mis ta carte, on vote Douglas, on est encore pas mal à pouvoir voter Douglas. Ma carte, elle est dans la tête, je l'ai cartographiée depuis l'hélicoptère, mais je n'ai pas de carte papier. Mais ils l'ont vu avec leurs yeux. Mais oui, mais ils peuvent très bien dire ce qu'ils veulent. Ça prouve pas que je l'ai. Vous l'auriez trouvé sur moi, je dis pas. Alors que c'est vrai que t'as pas menti pour le burger, toi. Bah oui, j'ai pas menti. Et par contre, lui, il a menti toute la journée, c'est seulement maintenant qu'il a fini par avouer. Mais si vous préférez écouter un menteur, écoutez un menteur. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils l'ont vu à quel moment cette carte? J'étais avec Habib tout le long, on faisait du bois et ensuite je suis rentré et j'allumais le feu avec. Du coup, Habib, tu l'as vu aussi? Non, moi je l'ai pas vu. Moi je faisais du bois et à un moment j'ai laissé tout seul avec la hache. On faisait du bois ensemble. Je l'ai laissé tout seul avec la hache, ouais. Moi j'ai vite fait vu des gens ne rien faire. Vous voyez sur le camp, j'étais beaucoup sur le camp. Quand je rentrais sur le camp, il y avait toujours les mêmes. Ouais, mais qui à la fin? Parce qu'au début, il y avait pas mal de problèmes d'eau et tout. J'ai vraiment trois personnes qui en font le moins, quoi. Vous m'avez entendu ici? Oui, on en parlera après. Oui, quoi? Non, on a entendu. Tout le monde a un petit parchemin, vous pouvez le remplir là tout de suite. Écrivez vos petits votes discrètement, tranquillement. Ah, ok. Et une fois que vous l'avez écrit, on va revenir vous chercher pour les déposer. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Tout le monde a 2 minutes. Narine, ah, vas-y, viens, continue. Ouais, je vais bien les noms, là. Bon, moi, je sais déjà pour qui je vais voter, de toute façon, mais... Alors c'est très simple. Avec le burger, tu prends le ketchup et tu dessines dessus. Tu prends ta main droite. François. Ton doigt droit. Ton doigt droit. Et après tu l'écris. Attends, j'ai oublié le troisième. Avec ton stylo. Bah Douglas, moi ça me va. Ok, merci. Comme Lewis. Ah, c'est qui le dernier? Tu le vois pas là? Il est pas dans les environs? J'ai oublié. Il est pas là donc. Non. Ah, il doit être en train de voter. Vas-y, dès que tu t'en rappelles, de toute façon, dans tous les cas. Oui, bah, de toute façon, il faudra les redresser. Hein, parce que moi, je te dis, déjà, la réunion, elle a fait du bien à l'équipe. Mais après, on n'a pas eu le temps de voir. On n'avait pas eu le temps de voir l'évolution de tout ça. Parce que c'était vraiment le bordel. Et après, la nuit, elle est tombée trop vite. Pardon. Ah, bah, en plus, il tape les gens maintenant. Vous, super. Vous tapez les. Stéphanie, ça va? Je vois des étoiles, je te vois. Je me sens mal, je me mâche sens mal. Mâche le chewing-gum. Je mâche. Ok. Je mâche. Toujours en je vrai, mâche. En vrai, Douglas. Je voulais ranger le burger. Douglas, ouais. Je sais qu'il a menti alors que. Je me sens mal. Alors que Tom. Moi, je ne sais pas Tom, quoi je sais pas. Voter. Hein. Je suis désolé. Hein. Je... Ouais. Voilà. Ouais. C'est tendu comme vote quand même. Hein. Bah, le problème, j'hésite vraiment à voter pour Douglas. Ça à chaque je fois. Me demande pour pourquoi qui je vote. Parce que mais c'est Douglas, à part l'histoire du burger, en fait, le seul truc que j'aimerais, non, que c'est que vous contribuez un petit peu plus non. à l'équipe. C'est mais non, mais j'ai fait ça, j'ai ramené beaucoup de bière, j'ai ramené injuste. Du bois, et j'ai même trouvé pour la une seule action de se faire avoir comme ça, il mérite pas. Mais ça. Vous êtes plusieurs à avoir trouvé la source. Bah, on va aller les déposer. S'il vous plaît, faites. Ah, c'est Jack qui a trouvé la source. Et moi, je m'organise avec Bud. S'il vous plaît, Bud, c'est la force. Vous avez voté, les gars? Il creuse, et moi, je porte. S'il vous plaît. Moi, je n'arrive pas à voter. S'il vous plaît. C'était là-bas qu'il fallait voter. Non, on a un petit parchemin, nous. Il veut donner un petit papier. Prends ta main droite et écris dessus. Les jaunes, s'il vous plaît, à la queue leu-leu les uns derrière les autres. Ça changerait en fait, quand on vote. Dans tous les cas, c'est lui qui va sauter. Essayez de vous mettre à côté des rouges, on fait deux belles lignes propres. Ok. Comme ça, ça va être propre et on y va et on fait ça proprement. Vous déposez les votes.
On est prêt à partir. Il y a une madame là-bas qui est dans... bloquée dans l'espace-temps. Wesh, ils ont des tweets de fou, je rêve là. C'est quoi ces cartes de ouf? Ils depuis tout à l'heure. Super, super. Mais c'est quoi cette dingue? Ils ont empêché une carte de bébé. Vous essayez de me garder une belle ligne? Ouais, mais allez, pendant que nous on mange du poisson, où est-ce qu'on le pose? Je crois que t'as pas besoin de le poser, je crois. Allez, les gars, okay. C'est un par un ou c'est tout le monde? Ok. On est exemplaires, les pères. On est une belle lignée. Voilà. Eux, ils ont pas compris qu'il fallait avancer, je crois. Bud, on est Bud 1v9. Oh, notre ligne est exceptionnelle. Non. Ouais, c'est terminé. Et rien que pour ça, personne ne mérite d'être éliminé ce soir. Personne. Super, on annule les votes. Normalement, on devrait éliminer deux jaunes. Mais réel, réel arrive. Si vous pouvez en éliminer 11 en vrai, moi ça m'arrangerait. Ils ont 40 poissons en face. Ah ouais, c'est monsieur Mathieu. Je le garde ici, stop. Les deux belles lignes, gardez les belles lignes. Les gardes ici, ils avancent un par un, vous vérifiez à chaque fois qu'ils ont bien posé, d'accord? Comme ça, pas de soucis. Il faut du coup les rouges et les. Je suis avec Nana. Je lui envoie toujours un rouge, un jaune. Les jaunes à gauche, les rouges à droite. Ouais, derrière Patrick là. Les jaunes à gauche et les rouges à droite, j'ai fait une... Bah c'est pas grave, ils vont se croiser. Donc les jaunes, vous allez à droite et les rouges à gauche, d'accord? Ok. Allez, donc les rouges. On laisse passer les jaunes, les amis. On laisse passer les jaunes. Qu'est-ce qu'elle veut, la gueuse? Allez, je vous lâche là. Chacun un coffre différent. Ouais, les jaunes, c'est à droite. Ouais. Salut Kamel, tu vas bien? Kamelia, pardon. Oui, ça va et toi? Oui, très bien. Vous avez pas vu déjà vous dans... Si, vous avez vu ce que tu as voté? Hein? T'as pas fait l'affiche dans une salle de sport récemment? Ouais, c'est ça. Le Habib Gym Squad, c'est ça que je vais ouvrir en gagnant... Ah, je dois aller plus loin. Ah, mais je vous ai vu vous aussi. C'était pas recherché pour des actes criminels? C'est pas étonnant. C'est bon. Attends, allez à droite et à gauche. Il y a... C'est... Allez. Suivant. Allez-y. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon comme ça. Hein. J'ai essayé d'appuyer E, F, tout, ça n'a pas marché. Buddy. Comment tu t'es assis? C'est bon. J'ai bien écarté bien posé ton gros cul, mes quoi. Chaussures pour bien poser mon gros cul avec un G. Ok. J'ai capté. T'as voté qui? Je peux pas dire. Ok. Je te dis après, ok. Ok, on se fait des petits secrets entre nous, ok. Non, je te dis après, c'est tout. T'as voté qui toi? T'as voté qui toi? Vite avant qu'ils arrivent. Je te dis après, t'as capté. Bah vas-y, on se parle après alors. Vas-y, on se parle après, vas-y. Vas-y, on se parle après. Juste crois pas que je suis un élément faible. J'ai jamais dit ça, je t'ai même défendu par rapport à ça. Pour moi t'es un... Attaqué. Non, personne voulait t'attaquer, mais quand ça parlait de Bud, j'ai dit c'est un des éléments le plus fort. Carré. Dans le camp, t'es un des meilleurs, t'as fait le feu, tu gères bien les ressources. Tu ramènes des ressources. Ah t'es pas j'ai tout seul non plus mais... Parachute, j'ai fait deuxième à l'immunité, ouais j'ai fait tout ça, c'est moi. Ouais. Et t'as fait perdre beaucoup de temps à la première épreuve mais j'ai déjà oublié de toute façon. Bah elle servit à rien elle, vas-y. Ah c'était quand même pour l'eau hein. Ouais c'est vrai. Non c'est vrai que j'ai merdé sur celle-là. Ah c'est vrai mais c'est pas grave. Vu ce que t'as fait à l'hélico, tout est oublié. Et t'inquiète pas que demain... S'il y a des épreuves de course ou de trucs comme ça. Ouais, même moi, c'est mon point fort. Je vais tout rafler. C'est mon point fort, on va les éteindre demain s'il faut courir. T'as capté. Je connais. T'arrêtes de me filmer les caméramans, si tu veux pas, je t'encule. Ouais, commence à me casser les couilles, on vous dira rien à la caméra. Voilà. En fait, c'est ça que j'aime bien chez moi. C'est mon charisme. Ouais, c'est ça, tu l'as fait fuir direct. T'as capté. Wesh! Ouais, je me cale comme aigle, moi. Je suis mieux. Ah bah non mais je suis bloqué. Nique sa mère. Ok c'est pas grave. Au pire t'es bien là. Ouais je suis bien. Ça passe bien là. Nique sa mère je suis bien. Vu que t'es debout on voit bien tes muscles. T'as capté. Congestionné. Hop là je fais un petit footing sur place. Jax t'as la chance ou quoi? Pourquoi tu t'es assis comme ça? Ah. C'est bon je peux le poser. T'as capté, on se met comme ça nous. Hein, Jax. On est cher bien comme ça. Non, vraiment, j'aimerais être autrement bon, là. Tu arrives.
Bah attends, je pense que j'ai la strat. Ouais, c'est bon, j'ai la strat. Mettons, pose ton poisson par terre. Allez, tu peux le faire. Okay. C'est pas grave, vous le ramasserez plus tard, c'est pas grave. Il est propre le caillou là, il est propre. Hein. C'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Mais non, va t'asseoir à droite, va. Mais toi, je vais t'enculer. Mais tu fais quoi, Francis? T'as suivi le plan, hein? Monsieur, touche pas mon gars, toi. Touche pas mon gars, c'est Ah, mais je fais comme toi, j'essaie de faire comme toi. Ah, pardon. C'est de baiser, va. Wow. Prochaine fois, je sors mon taser, je t'encule. T'as pas suivi le plan, Habib? Ouais, ouais. T'es sûr? C'était quoi le plan? Le plan, Le plan, t'es de la même couleur que ton bandana? Ouais, ou le tien? Je n'ai pas compris pour le mien, mais. Ah, parce qu'on a le même bandana. Voilà. Tu es pas à travers au super à droite. Bah voilà, c'est simple. En deux secondes, à gauche, maintenant. Mais. Camélia, vous n'avez rien compris. Pourquoi vous avez encore votre parchemin dans la main? Non, c'est mon poisson. C'est un poisson, c'est un poisson. Pardon. Ah, pardon, j'ai la vue qui baisse. Et jaune à droite. D'ailleurs, ça sent le poisson en ce moment. J'espère que c'est vraiment le poisson et pas autre chose, Camélia. J'arrive pas à m'asseoir. Si vous pouviez aller vous laver un minimum, ce serait quand même, ça quand même pas mal. C'est vrai, que, mais et pas dans le lac. Hein. À droite. Rouge à gauche. Ok. Correctement. Il est trop fort, ce bâtard. Rappelle que Kamel s'est chié dessus. C'est les serpents, frère, ils ont du venin, ils ont du venin de chiasse, frère. Faites attention à traverser des eaux. C'est Vince. C'est dangereux, hein. T'es obligé d'être SDF, là, tu peux t'asseoir sur Panda. Hein. Ça va, tu peux y aller. Retardement, petit. Ça va. T'es obligé de t'asseoir par terre, hein, tu peux t'asseoir sur Panda. Ah, je sais, mais. Allez, vous pouvez y aller. Je vous jure que c'est pas drôle. Hier, j'ai bouffé un truc, sentait le poisson, je suis dépité. Regardez-moi, les mecs. À droite. Maladie. Quand j'ai nagé dans l'eau, je vais récupérer. Tu veux qu'on t'applaudisse ou quoi? Mais pourquoi tu l'as Théo? C'est pas moi, frère, j'ai pas bougé les mains. Il y a un mec qui l'a Théo, miskin, je sais pas pourquoi. Oh, Big D. J'ai eu peur, les deux mallettes étaient très proches l'une de l'autre. De quelle mallette vous parlez? Allez, va à gauche, c'est bon, tu l'as mis. Oh. Eh, les gars, vous avez voté pour qui? Moi? Ouais. Moi, j'ai... Après, t'as capté. Moi, j'ai voté. Ne parlez pas! Moi, ne parlez pas à ce Hagoun! Moi, j'ai voté pour moi-même. Je me suis dit, comme ça, au moins, c'est fair play. Mais non, mais non, mais abuse pas! Le gros mytho. Ah, c'est beau. Parce que moi, j'ai voté pour toi aussi. Ah ouais, t'as voté pour moi? Ouais, pour être chef. Mec, il a rien compris. Il est complètement demeuré. Il est con. Moi je l'ai vu se mettre un doigt dans le cul avant d'écrire sur son parchemin, et ça c'est bizarre. Qui a mis ça? Qui a fait ça? Bah le mec qui vient de te parler là. Ah ouais? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jack, gros con. T'appelles Jack quand même, ça fait un mois qu'on est ensemble. Ouais, respecte Jack, frère. Ah mais non, pas Jack lui. Jack de l'autre équipe. Il y a un autre Jack en face. Oui, oui, il est très reconnaissable. Ouais, ouais, je l'ai reconnu aussi. Ouais. Vous voyez de qui je parle? Ouais, oui, oui, oui. Je sais que t'as un cerveau, vas-y, tu peux t'asseoir. Aucun souci, allez, va. Excusez-moi, je veux pas être apathique, mais c'est un peu long. C'est vrai que. Mais ça, je crois que c'est fini là. Merci. Faut voir avec l'approche, je pense. Il reste que deux votes là. Vous êtes fort aimable. Oh, comment il a parlé fort à droite là. Oulala. Oulala. Allez, il en reste plus que deux. J'ai pas entendu, il y a eu quoi? C'est mieux de pas expliquer. Zipignon, c'est bon. Pas Zipignon, c'est bon, bon, bon. Zipignon, c'est bon. T'es un champion, mon pignon. Tu penses là, t'as fait bonne impression à ta femme, pignon? Ah mais c'est... Pardon, je suis censé m'asseoir. T'as fait bonne impression à ta femme, tu penses là? Je pense qu'elle ne regarde pas l'émission et je pense qu'elle consomme devant l'émission, pour être très honnête. Elle consomme quoi? Elle consomme quoi? Bah, mon meilleur ami, mon meilleur ami. De la bite. Mais non, ami, mais il est parti avec ma femme. Ah ouais. François, tu vaux bien mieux que le Benjamin avec moi, truc, s'il vous plaît, là, venez. Oui, oui, je sais, je commence à le comprendre, les gars. Et elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi, ta femme? Ma femme? Il va où là? Elle est superbe.
Elle est super. Attention, c'est une émotion. Mais Nari, il est par où là? Narou, Nari, bon, c'est toi. Problème, je suis aveugle. Alors, monsieur, c'est assis et toi. On arrive, s'il vous plaît. Des plantes et venez concentrez-vous. Non, mais pose ton poisson, Steph. Oui, c'est vrai, lui. Tu le poses par terre. Mais c'est assis et toi. Voilà, et là, tu pourras t'asseoir. Et ça va mieux. Mais c'est quoi, t'es prof de langue aussi? Ah ouais, bah ouais, ouais. Alors, frérot, non, je suis ma langue, je te la mets où tu veux. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, Jack, toi, tu commences à de plus en plus te détacher, là. Je déconne, je déconne, je déconne. Tu te délivres. C'est les gars. Ah, ok, c'est tu déconnes. Tu pointes qui, là, Narine? Mais si quelqu'un te propose vraiment, tu le fais? Ça dépend. Ah, sur ton doigt, combien, pour combien? Non, gratuitement, par pur plaisir. Ah non, c'est pas mon délire, je suis pas du tout. Toi, t'es sur la route. Ok, ok, ok. Et toi? Moi, non. T'es sûr? Non, non, moi je suis. T'inquiète, moi. Même pour un pour tout ce que tu veux. Light, bon, après. Light. Après, c'est pour la victoire, ouais, tu vois, on peut s'arranger. On est d'accord. On peut s'arranger, on peut s'arranger. Merci pour ça. Bon, excusez-moi, t'as une crise, c'est le tirage de la Ligue des Champions ou quoi? On va tirer au cerf? C'est long! Calme-toi! Calme-toi, calme-toi, François! C'est long là, calme-toi! François, je te sens un peu excité là! François, ça a le faire! J'ai un peu peur de ce que vous êtes en train de faire là, vous deux! Ça va derrière? Eh, les rouges, moins fort là! Eh, François! Ta gueule! Eh, fermez vos gueules, les rouges! Eh, vos gueules! Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous m'avez appelé comment? T'as ramené quoi comme ressources aujourd'hui et hier? Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ouvrages à mon palmarès, hein. J'ai le pont de Tancarville, le Golden State de San Francisco... Non, François, il parle de bois, de pierre, la tour Eiffel. On parle de ressources au camp, t'as ramené quoi comme ressources au camp? Moi, peut-être que je suis un mec vrai dans le fond, et je suis là pour la cohésion d'équipe avant tout. Ramasser des pierres comme vous faites pour faire semblant, c'est pas ma priorité. Mais sinon, j'ai ramené un peu de bois et de silex. Si, je l'ai vu ramener du bois, moi, je l'ai vu ramener du bois. Moi, j'ai vu, il a ramené sa bonne humeur, moi, en tout cas. Il a ramené, ouais, 2-3 bouts, mais c'est bien. Pas le vieux. Les rouges, on vous dérange, là, moins fort, là. C'est un peu long. C'est vrai que là... Martin, pourquoi tu frappes le vieux? Ah, mais c'est bon, je crois qu'il va, il va délibérer, là. Mais il faut pas faire ça, je crois qu'on doit fermer nos gueules. On n'entend rien. Les gars, écoutez, monsieur Mathieu, je crois. Non, c'est bon. Ouais! Oui, non, on entend rien, on entend rien! Hors du bord! Là, c'est bon? Oui! Ouais! Ok, premier vote pour les rouges. L'équipe rouge. On les connaît pas! On s'en bat les couilles! Alors, raison! N'oubliez pas, il y a des poissons par terre. Les qui? Attendez, attendez, je vais me rapprocher de vous, ça va être plus évident. On ouais, parce qu'on entend rien en fait, franchement, Mathieu, on entend rien. On n'entend rien. Assis-toi, Narine. Attendez, criez, monsieur Mathieu. Vous m'entendez pas, mais c'est pas possible. Non, on entend pas, on entend pas. Si, on l'entend. Si, on l'entend très bien. On l'entend, on l'entend. Monsieur Mathieu, je vais aller chercher un micro, d'accord? Vous cherchez un micro, monsieur Mathieu. Ok, je cherche mon micro. Il va prendre un micro, ouais. Ah, il va parler sur Discord. Tiens Douglas, mange le poisson. Faites un effort. T'as mangé le burger. Mange-le. Il y a un mec qui a mangé un burger aujourd'hui, c'est dingue. Mange le poisson. Un big burger est là. Il est sorti de l'émission. Mange le poisson. Il y a un mec qui a trahi toute l'équipe et il l'a garde dans sa poche. Hein, mais bon. Mange-le. Regarde, il est devant toi le poisson. Mais il non, je le laisse à l'équipe. Il a l'estomac rempli déjà. Non, mais. Il a plus faim. Moi, je pense à l'équipe avant tout. Surtout un hamburger à 130 euros. Avec du caviar. J'aurais pu donner un bout quand même. Bon, vous pensez qu'il parle là le maître des cérémonies? Non, je parle pas. Non, il parle pas, il parle pas. Est-ce qu'il réfléchit là? Je crois qu'il cogite. Je crois qu'il regarde les votes là, il regarde les votes. Je parle pas, je parle pas, paniquez pas. Malaise, hein. Il va pas lâcher le burger. Le pressing, les mecs, il est constant. OK. C'est la quatrième fois, mais je pense vraiment que c'est la septième ou huitième fois, micro, frère. Monsieur. Voilà. Premier vote. Ah, le micro c'est bon. ça va arriver. On vous entend, monsieur Mathieu. Vraiment, on entend bien. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, monsieur Mathieu. Ouais, il a vraiment un problème. Les rouges, patoche. N'est pas
Connais pas. Un vote pour Patoche. Connais pas Patoche. Ouh. Nous, on a François, pas. Nous. T'es un champion, mon François. toi le champion. Après, je crois a fait 200 points quand même, Patoche. Ouais, ça t'es joué le meilleur. Il a fait 200 points, ça l'a éliminé. Ah, prends le saut, allez, au revoir. Deuxième vote pour les rouges, Hassan. Ah, comme par hasard. Oh, c'est qui ça? Ah bah tiens, c'est qui Hassan? Ah bah tiens, ça en prend un de moins. C'est qui, wesh? Comment? Eh, François, t'as dit que t'as arrêté ça? François, normalement. François, t'as dit que t'as arrêté ça, putain. T'as vu qu'on était des gens bien. J'ai dû y passer ce soir. François, putain. Tu peux virer Ousmane aussi? Je t'ai aidé, putain, tout à l'heure, François, enfoiré. Oui, tu es mon frère. Tu es un grand copain. Rouge de moins, c'est vrai, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, moi aussi, je compris comme ça, moi, rouge de moins. Deuxième non, vote monsieur pour Mathieu, les rouges, là. Hassan. Troisième vote, pardon. Deuxième vote pour Hassan. Ça fait deux votes Hassan, un vote Patoche. Il galère à lire. Il sait pas lire ou quoi le présent? Mais je sais, on t'attend. Continue. C'est deux votes Hassan, un vote Patoche. Oh là là, ouais, c'est le vieux qui fait le vote. 8 votes. Ah non, on y est encore pour demain. Laissez Axel lire. Hein. Laissez lire le vieux, au moins c'est drôle. Deuxième vote pour Patoche. Ouais, c'est serré de fou leur vote, ouais. Ouais, il y a des guerres chez eux. Attends, mais ça se trouve, il y a des surprises de fou qui vont arriver chez nous. Et c'est qui Patoche? Je sais pas. Eh Patoche, lève le doigt, c'est qui? Lève la main, Patoche. Patoche, c'est qui? Ah ouais, ça veut pas lever la main. Patoche. Allez Patoche, arrête de chialer. Lève la main. Patrick. Mais c'est qui Patoche? Patrick, c'est le bouffe. Fais tourner les serviettes et ton doigt. Je crois que c'est le gars qui a la queue pour sauter des meufs et pas pour l'épreuve, donc ah ouais, ça existe des gens et comme c'est ça. C'est qui Hassan? Hassan, je pense, on s'en fout. Ah ok. Oh mais skin, ça trouve c'est... Oh non. Troisième vote pour Hassan, ça fait 2-3 votes. Wow. Hassan, 3 votes Patoche. Yes. Ouais, c'est une dinguerie. Oh là là. C'est une dinguerie. Pour l'instant. Ah Patoche, c'est... Ah. Vous pensez que ça sera serré autant avec toi? Oh, ça fait peur, le bruit. Ça tremble, ça. J'ai peur. Oh, ça fait peur. Le crasseux. Qu'est-ce qui se passe? Quatrième ça fait peur. Vote pour Hassan. Ça fait 4 votes Hassan, 4 yes. votes Patoche. Allez. Oh. C'est serré de fou, là. Je pense que nous, il y a vraiment... Je pense qu'il y a 10 votes sur... Il y a 10 votes sur Lewis et lui, il y a son vote. Ah! Quatrième vote pour Patoche, ça fait 4 votes Patoche, 4 votes Hassan. Mais attends, mais... Il a déjà... Attends, ça va se jouer à la toute fin. Pour y rampe l'autre. Mais il fait du spectacle, craqué, t'inquiète. Hein. Ça fait 5 tapis, non? C'est un banque, je pense. Non. Ah, c'est... Non, c'est bon. Mais il a fait un malaise, là, je pense, non? Non, ça fait 4-4. Autant pour moi. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait, le présentateur? Il sait même pas lire. Je sais pas. Eh, le papier, il est... C'est écrit en hiéroglyphe, ouais, je lisais, monsieur. Vote pour Hassan, 5 votes Hassan, 4 votes Patoche. Pour l'instant, ouais. Hassan est éliminé, pour l'instant. Pour l'instant, mais Hassan, c'est pas fait. Hassan, on saute pour toi. Mais dis pas, il va y avoir... Ah non, il peut pas y avoir égalité. Attends, ils sont combien? Je crois qu'on a un nombre clair. Ils sont 11, non? Ils sont 5 votes Patrick, 5 votes Hassan. Attends, Patrick. Oh là là, Oh là là. C'est proche de fou, là. Oh, c'est serré de fou. C'était Patrick, le nom? Non, c'est Patoche. Ouais, Patoche. Ah ouais, Patrick. Patrick, c'est un nouveau? Non, c'est un surnom, Patoche. Il reste 2 votes, chef. Mais du coup, il peut y avoir égalité. Il s'est pas compté, Mathieu. Non, mais 11 dans chaque équipe. Ouais, mais je crois que c'est 12, non? Ah bah non, on est 12 maintenant. Ok, celui-là on est pas 11-11. Non, on est 12-12 avec les deux nouveaux. Il y en reste deux, c'est moi. On va faire une égalité là. C'est une dinguerie. Je stressé alors que je connais même pas Patoche. Ah, pareil pour Hassan. Non, pour Patoche. Non, pareil pour Hassan. Ça pour fait Hassan. 6 votes Patoche, 5 votes Hassan. Oh là là, c'est tellement. Si c'est un vote pour Hassan. Égalité et putain, ça me fait vraiment chier, mais on va devoir faire les votes. Oh non. Non. Un virage. Tout le monde est d'accord. Non mais ta gueule, toi. C'est vraiment pas le cas. Pardon.
Si c'est Patrick, Patrick sort. Mais ça marchera pas. Bah quoi? Il sait même pas calculer le présentateur, si il y a 4-5. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est parti sur la même chose en fait. Mais c'est pas à part si quelqu'un change coup, son vote. Il y a 11 votes du coup, ça peut pas être. Mais non, non, on est 12 avec les nouveaux. Ah mince. On fait 12. Ouais, mais en fait, c'est même si on. Et quoi? Et Karim? Eka. Est-ce qu'il y a un Ekan ici? Akan? Assad peut-être. Ah, mais il a mal écrit. Ah, peut-être qu'il s'est pas écrit, ouais. Ekan? Bah, je crois. Est-ce que ça a voulu dire Hassan? Est-ce qu'il y a un analphabet? Il a écrit avec un C ou un K? Il a écrit E-C-A-N-E. Comment c'est possible d'aussi mal écrire? Oui. Ouais, c'est pour Hassan. Ouais, je pense que c'est Hassan. Écoutez, ça va être très simple ce qu'on va faire, monsieur. Une bagarre. Vous allez récupérer les boules votes. Noire, et Can. Can. Ah oui, la boule noire, non? Mais faites-les se battre, et celui qui gagne, il reste. Gauche, sauf Patoche et Hassan, et en attendant, je vais faire sous les ça revient dans ça, ça va rien changer, mais vas-y. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Il va y avoir 5-5. On comprend rien à vos règles, ouais, monsieur. C'est 6 là, non? On s'en fout, au pire, c'est l'équipe des rouges. Faites-nous voter, sinon on choisit. Eh, écoutez, si ça refait égalité une deuxième fois, on sort les deux. Allez. Allez, c'est bon. Oh, ouais, sinon, la boule noire, tirage au sort, non? Eh, hey, on va rien faire. Oui, bah, comme on est dans Motus. Égalité, on sort les deux, prenez une décision. D'accord. Tout le monde tout les votes me suit. À part Hassan, vous me suivez. On va le revoter entre Patoche et Hassan. C'est bon. Venez. Ouais, si les deux ils partent, non, c'est dur. Rien à foutre personnellement. Ah, Benef. Ouais, j'espère que ce sera pas pareil. Ouais, ça serait chez tant nous. Mieux de foutre. Ça valait le coup d'avoir des allumettes. Imaginez, ça Après, ils vont devoir équilibrer. C'est votre tour. Oh, purée. Allez. Vous pouvez vous approcher un peu, monsieur Mathieu, s'il vous plaît? Oui, je vais m'approcher. Monsieur Mathieu, on veut vous entendre, merci. Merci, monsieur Mathieu. Merci, monsieur. Ça sert à rien de le sucer. Merci, maître. Ah, c'est comme le maître de jeu. Vas-y, pignon, c'est bon. Regarde sa queue, regarde sa queue. Vas-y, pignon, c'est bon. Les gars, regardez bien, écoutez mes votes. On regarde les votes. Elle l'a rangé. Premier vote. Mais y'a un mec qui a pas réussi à écrire. Ah, mais il l'a écrit sur le quai. Premier vote Lewis. Putain, le trou du cul. Premier vote Lewis. Non, qui a voté Lewis? Oh non, qui a voté Lewis, Lewis quand même. Qui a voté Lewis? Oh, vous abusez pas. Camélia, c'est toi? Ah, ça doit être François, je pense. François l'a bu quand même. Hein. T'as pas apprécié ce qu'il a fait à l'épreuve, c'est ça? Pourquoi le présentateur se fait taser en même temps là? Mais aidez monsieur Mathieu à lire, par pitié. Allez, monsieur Mathieu, deuxième vote. Est-ce que son assistant peut l'aider peut-être? Je suis dans la boîte. Est-ce que ça commence par un T et ça finit par un L? Deuxième vote, François. Ah vote François Lewis. Quoi, 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 quoi. Attends, y'a un mec à voter François. Attendez quoi François. Il a mis une CC10, quelqu'un qui est intellectuel. Pourquoi François? C'est bien écrit hein. Eh, celui qui a voté François est parti coup, il lève la main maintenant. Y'a le CC10 ou pas sur François? Ouais, y'a le CC10. Oh, Bud, t'as voté François? Vous pourriez au moins être honnête avec moi. Bud, il a. Vous pourriez au moins être honnête avec moi quand même. Il a levé la main. Bah, non, c'est ah, c'est Bud? Avec son cheveu sur la langue? Ah, Tom! Oui, c'est moi. C'est Tom Lewis. C'est Tom Lewis. C'est Lewis, un vote. Bah non, ça fait deux. Deux votes. Mais non, deux votes Lewis. Il sait pas compter. Comprends rien avec ce présentateur. Deux votes pour Tom, un vote pour François. Il a écrit Tom. Qui a écrit Tom comme ça? Le gros con qui a écrit Tom comme ça, wesh. Non, mais qui a écrit Tom comme ça? Oh le con. Attends, Tom, il a écrit ça comment? T-O-M-M-E. Encore un vote pour Lewis. Ça fait trois votes, Lewis. Un vote, François. Oh putain, t'es dans la merde, François, je pense. Je suis assez étonné que ça vote contre notre ami Lewis. C'est un peu chiant, ouais. C'est un peu coup bas, quoi. Personne s'y attendait, en plus. Monsieur Tom Lewis, 4 votes contre toi. Ouais, ça va. C'est fini, monsieur Lewis. Mathématiquement, c'est fini, non? Non, il en faut 6. Encore. Les gens même, ils ont voté 4 fois pour moi. Mais je pense que ça va changer là, c'est plus Tom maintenant. Oh chiotte Lewis, oh chiotte Lewis, oh chiotte. Oh l'OM, oh l'OM. Monsieur Lewis. Deux. Encore un. Allez vérifier. Mais est-ce que vous pouvez lire tous les votes quand même, monsieur le présentateur? Ouais, on veut tous les votes. On veut tous les votes. S'il y a encore un vote sur monsieur Lewis, c'est terminé pour lui. Merci. Ah, j'espère que c'est pas Tom quand même. Mais on veut tous les votes quand même. Mais non, même il faut 7, non, parce que... Ouais, il en faut 2. Il en faut encore 2 parce qu'il peut y avoir 6 votes pour Lewis et 6 votes pour François. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Ce qui m'étonnerait quand même. Pourquoi François et pas Camélia? Parce que t'as déjà un vote. Mais pourquoi il est con? Ah, il est vraiment con. Non, c'était un exemple parce que je connais que ton prénom.
Super. Et le dernier vote est pour... Un vote quoi pour Douglas. Douglas oh Douglas, c'est qui? Ah bah, c'est Lewis. C'est Big D. Comment ça, c'est qui? Mais François, bah on est non, bien c'est Lewis. Ah oui, non, mais j'oublie toujours ton nom. Ah, bah, mais, ah oui, mais il y a Douglas, Lewis. Bizarrement, c'est la couleur de peau, mais il y a trois noms, à un moment donné. Tom Lewis, c'est Tom Lewis. Tom Lewis, tu vas pouvoir aller voir les intérêts que t'as eu sur ton livret A, là, vu que tu vas rentrer chez toi. T'as fait 6 votes. Oh, livret A, c'est pour les pauvres. Eh, Lewis, on sait que t'as fait des fraudes fiscales, clochard. Clodo, t'auras un contrôle. Fraude office, bouffon. Moi, je peux lire ma gueule. C'est écrit Tom Lewis, je crois. Ah oui. Je vois de Lewis. Lewis. Ouais. C'est fini déjà, non? Il y a 5 votes contre toi. La sentence est irrévocable. Contre Douglas et 1 vote contre François. Tu as la majorité, tu n'es plus sauvable. Lewis. Il va bouffer ses billets. Est-ce qu'on peut voir les autres? Vous restez pauvre et je reste riche. Lewis, prends la carte avant de partir, s'il te plaît. Allez, dehors, Lewis. Prends la carte, Lewis. Ce n'est qu'un au revoir, Lewis. S'il vous plaît, suivez-moi. Allez dehors. C'est quoi les autres votes? Allez, c'est quoi les autres votes? Allez dehors. Dehors. Lewis a racheté la meilleure fraudeur fiscale. Merci pour la. Allez dehors. Mais pourquoi? Espèce de fou! Il est fou! Attends, il y a des livres qui sont dans le jeu! On a bien fait de l'ouvrir! Mais là, mais c'est toi qui as fait de la merde! C'est toi qui as fait de la merde! Mais capable de trouver un putain de trésor pendant que je. Putain de travail! Oh! J'ai envie de personnalités. J'ai travaillé de partout! Il y a des crampons partout! Dans cette chambre! Mais là, mais tu comprends que c'est putain de trésor! Pendant que t'es en train de t'amuser avec tes copains! Il t'aime pas et t'as jamais aimé! Tu me disais, il y avait deux personnalités! Ça arrive pas mal de bouger, la bagarre! Ça fait du bien la bagarre! Ça fait du bien! Ça fait du mieux! Ça fait du mieux ça! Ça fait du mieux! Voilà, c'est ça que je veux voir! Voilà, ça fait du buzz! C'est bien! Ça, si on avait sorti après, ça aurait été de la dinguerie! Récupérez les. Si elle avait survécu et qu'il y avait deux Lewis, mais genre au milieu du jeu, ça aurait été exceptionnel! Récupérez les poissons! Ça fait grave du buzz, ça, c'est bien! Je crois que c'est Tom Lewis et Lewis Tom, je crois! Mais je me disais, il avait deux personnalités! Des fois, ça va le changer un peu! Bah ouais, je me disais, il est vraiment complètement différent! Wesh, par contre, c'est hardcore, wesh, ils l'ont planté sur un pic, c'est grave gore! Non, non, ils ont bien raison! Waouh! Mais regardez là-bas, il a son clone! Ah, c'est vrai que ça va nous arriver aussi quand on est éliminé! On peut garder le clone ou pas? Allez, suivez-moi! Excuse-moi, toi, je voulais taper. Bon, s'il vous plaît, arrêtez là, ça suffit! Vas-y, asseyez-vous! Asseyez-vous, les mecs! M'a compris! Moi, je peux toujours pas m'asseoir! Évacuez-les, s'il vous plaît! Il y a des mecs qui viennent de comprendre, je me terrifie. Parce que c'est très grave. Bah, après, il y avait deux voix différentes, mais. Je savais pas qu'il y avait deux persos, je pensais, moi, le mec, il se reconnectait dessus. Qu'il arrivait à trop bien changer sa voix. Il y a monsieur Leroux là-bas, j'ai pas son nom. Je voulais vous donner le nom de la personne éliminée. Et je vais l'accompagner chercher son flambeau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Pourquoi vous vous levez? Pourquoi? Asse-toi. François, viens, mets ta gauche, ta gauche. Par contre, je vous le dis, moi, je vous le dis honnêtement. Vous êtes trop indisciplinés. Vous êtes trop dissipé, c'est trop dur à gérer, hein. Franchement, honnêtement. Ouais, c'est pour ça, faut arrêter de se lever et tout. Oh, vous levez. C'est ça. En fait, je pense qu'on est dans le conseil. J'oublierai pas. Et c'est qui? J'oublierai pas quoi? J'oublierai pas ce que t'as fait pour moi avec Jax. T'inquiète, mon gars. Ariel, oublie pas. T'inquiète, mon gars. Il y a des gens qui s'investissent pour vous. Il y a des gens qui tiennent des caméras toute la nuit pour vous faire passer un bon moment, pour vous faire des choses bien, vous faites que crier. On est désolé. Des coups, que faire perdre du temps, c'est relou, hein. Franchement, c'est. Il a raison, il est en train de péter un plomb, voilà, c'est. Désolé. Excusez-nous. Caméraman, filme ça. On est désolé, les caméramans. Douglas, va t'asseoir, Douglas. Douglas, arrête. Tu t'assois sur ce vote demain, là. Eh, Douglas, assieds-toi, frérot. Arrête de faire n'importe quoi. Bah, tu vas sauter, gros. Mathieu, c'est une menace. Il est éliminé. Non. Ok. Du coup, pour la team rouge, l'éliminé c'est Hassan. Et pour la team jaune. Comme par hasard. Oui. Non, Hassan. Par hasard, Hassan, oui, effectivement. Eh, François, il doit être content là, hein, de moi. Et pour la team jaune, l'éliminé c'est l'autre trou du cul qui a triché. Merci à vous. Je tiens à le répéter, c'est quand même important. Quand vous avez des choses à faire, quand il y a des convocations, s'il vous plaît, essayez d'être réactif. C'est pas évident pour tout le monde. Et essayer d'être plus rapide parce que bah du coup ça fait prendre un temps énorme mais énorme et bah on aurait pu aller beaucoup plus vite. Merci à vous, merci pour l'élimination, merci d'avoir sorti Hassan et le tricheur.
Bah, soyez prêts parce que bah, il y aura encore d'autres éliminations et allez vous faire enculer. À demain, monsieur Mathieu. À demain. Ouais. À demain. Prenez vos poissons, prenez vos poissons, vos poissons, vos poissons. Allez, vos poissons, ouais, ouais, les poissons, vos poissons, les poissons, les gars. Prenez les poissons. Monsieur Amine, Mathieu, il est parti. Il en reste un, il en reste un derrière. Il en reste un derrière. Bien joué. Tu l'as pris, Mouch? Ouais, c'est bon. Il y a. Bah moi j'en avais un. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pris. Ok, bien, j'ai pris. Bien joué les gars. Allez. Alors attendez, regardez, il y a monsieur Hassan qui va vous dire au revoir. Est-ce que monsieur Hassan, tu as quelque chose à dire? Oui, oui, rentre dans ton bon point. Rentre au point. Un peu de silence, un peu de silence. Un peu de silence. Ouais, ouais, éteignez sa flamme. Les gars, et prends le métro en rentrant. On va pas avancer, ça va prendre 1000 ans. Laissez-le parler. Les jeunes, taisez-vous. Vous êtes des hypocrites. Je sais pas pourquoi vous avez voté pour moi. Mais en tout cas, je vous laisse bien dans cette merde. J'en ai rien à foutre de votre gueule. Je voulais juste gagner les sous et me barrer. Enfoiré. En Pôle emploi, ça s'appelle plus le travail maintenant. Mais ferme ta gueule, t'as qu'à lui faire un jeu, c'est fini. T'as pas compris. Ils ont l'air soudés. Oh non. T'as l'air soudé les rouges. Ah, ils l'ont trahi. Après, bon, peut être autant soudé qu'on veut, on doit éliminer des gens tous les jours. Donc. Ouais, ouais, bah écoute, nous au moins on a éliminé un tricheur. Ouais, mais la prochaine fois on éliminera qui? C'est ça la question. Faut retrouver un autre tricheur. On aura la conscience tranquille. Ah, moi je vais jamais tricher. Alors moi je pense qu'il y a quelqu'un qui triche. Ouais, c'est qui? Et qui cache une page du journal avec Dub, on a trouvé Bud, on a trouvé une page de journal, on ne pouvait plus la prendre, elle avait été déchirée. Ah tu me l'avais déjà montré. Ah une autre, ok. Non, on a trouvé une qu'on ne peut pas récupérer, on pense que quelqu'un a caché une page du coup. Ok. Ah, ils l'ont réarraché du livre et ok. Elle a été réarrachée du livre et on ne peut pas la lire, donc quelqu'un cache une page. On va essayer d'enquêter sur ça alors. Mais du coup, il doit avoir des alliés, non? Ou sinon, ça doit. Elle doit dire. Vous avez pu la lire la page avant ou pas? Non, pas du tout, justement. On a absolument. Ah ouais, donc pas il, doit avoir quelque chose, il doit y avoir quelque chose lié à une immunité ou un truc comme ça. Peut-être. Et on a essayé d'avoir des informations, on n'a rien trouvé. Et rien, aucun lien. Il n'y a que Bud qui savait pour les pages et les livres parce qu'il a lu un journal par rapport à ça, mais il faudrait lui demander. Ok. Ah merde, il n'y a personne qui a bougé. Allez les chercher. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi ils sont aussi loin? Je sais pas. Wow! Je pense pas qu'il y aura un repêchage, les mecs, il y a trop de monde à... Il y a trop de monde à Tej. Faut pas aller dans le grand bateau? Non, c'est pour les éliminer. Ah, la chance. Ah, ok. En vrai, c'est fatigant, les mecs. Hein. Ah, mais il se passe des trucs, là-bas. Ouais, peut-être qu'il se passe des trucs, on sait pas. Hein. En fait, c'est ça, le problème, c'est qu'il y a trop de trucs où ça prend 6h30. Il y a trop de trucs où ça prend vraiment 7h30, mon gars. Mais je crois qu'ils se sont tous remis en ligne, on rate un truc là. Bah attends, on va y aller au pire. Allez voir, allez voir. C'est... Moi, je dis tout, moi je suis fatigué de ça, mais alors le staff, ça doit être une dinguerie, me cinquième frère. Pourquoi vous venez pas? Qu'est-ce que vous faisiez? Il se passait quoi? Mais pourquoi vous étiez encore là? Amélia, pourquoi vous étiez là-bas? Vous faisiez quoi là-bas? Il y avait embrouille. Il nous a dit d'attendre là-bas. Ah, ok, ok. Ouais, les autres ils sont là-bas. Hein. Prenez celui-là, ouais. T'inquiète, je vais aller là. Ah, mais je pense qu'il y aura des éliminés, ça va être exceptionnel. Il va y avoir des clans, des trucs de ouf. Alors, vous en avez pensé quoi de la soirée, là? Bah en vrai, tant mieux, hein. On passe le premier vote. Bravo, félicitations à nous. Ouais. Mais c'est une dinguerie que... Congratulations, les frères. C'est une dinguerie qu'on ait éliminé un tel mec. Ils étaient deux, en fait. C'est une dinguerie. Bah ouais, mais je me disais, il a deux personnalités. Mais en fait, ils étaient vraiment deux. Putain, pendant qu'il y en a un qui au Renma, l'autre, il cherche les trésors. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui se foutait de notre gueule. Il y en a un qui se foutait de notre gueule et l'autre il faisait de bonne figure. Qui renferme encore de tels secrets parmi nous là. Peut-être, hein. Bah, c'est sûrement, ça que je me dis. J'en sais rien, mais en tout cas, on parlait un des. Toi, t'as pas une version de toi qui parle bien français, toi? Tu parles de moi? Moi, je peux le faire de moi-même. Ah ouais, fais voir.
Oui, bonjour. Et ça se trouve, c'est comme lui en fait. Ah bah d'accord, c'est comme ça que ça me traite lui. Ah non, elle a changé. Mais c'est quoi, c'est québécois? Oui, c'est ça. Ah, je pensais que c'était indien moi. Ah ouais, bah non, pas du tout. Bah encore eux que c'est québécois. Mais c'est quoi l'expression québécoise pour dire c'est ok mon choum, ok mon chim, je sais pas quoi, tu connais? Ok mon chum. Ouais mon chum. Ben c'est pour dire, sauf si t'as un ami, un friend, ou si... Ah c'est pas pour genre ton cum? Si, ben ça peut être ça, mais en fait c'est les deux, c'est tes chums, ça peut être aussi tes amis. Ah! Ok mon chum. Mon chum. Après il y a des gens qui vont dire mon buddy, ça dépend. Mon buddy. Vas-y, on va voir si t'es une vraie québécoise. Là, je suis en beau maudit, hein. Ça veut dire quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit là, je suis en beau maudit, là. Aujourd'hui, je me sens en beau maudit. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais, ok. J'ai un pote québécois, il m'a déjà dit ça. Ça veut dire, en gros, je suis en... En... Seigneur Dieu! En mauvais état, je crois. Quand t'es fatigué et tout, tu dis je suis en beau maudit. Moi j'ai une phrase aussi. Vas-y. Chandal, tabarnak, en char. C'est qui le québécois là? Chandal, tabarnak, t'es en char? Ouais. Ah ok, mais ça veut pas dire grand chose. Ça veut dire quoi chandal? Elle va nous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais t'as dit chandail. Tu peux faire hostie de calice s'il te plaît? Hostie de calice? Ouais mais bien genre en mode énervé. Bah, je suis pas énervé là, dans le fond. Moi, je suis jamais énervé. Je suis comme quelqu'un de non, très... Non, mais comme si tu jouais un rôle d'être énervé. Tu dis, oh, c'est calice, mais en énervé, genre. Je suis calice, t'as pas que t'es mort, lui. Peux-tu me lâcher un peu? Ah, voilà, non, c'est bien là. Et qu'est-ce qui se passe, ranceuse? Hein? Mais frère, qu'est-ce qui se passe, ranceuse? Pas pour ça. Ranceur, qu'est-ce qui se passe, ranceur? Ouais, je sais pas, ça... Après, moi, dans le fond, des mais bases, ouais, mais je parle connais aucune expression anglais, québécoise. Je parle pas non plus tout le temps français. Hein. Je veux te cruise. Tu me cruises? Ouais, tu cruises. Il veut te cruise. Ah, non. Non, tu veux pas, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu veux, hein? Tu veux? Tu veux, hein? Elle veut, je crois. Attends, ça veut dire quoi? C'est ça? C'est l'expression? C'est bien ça? Bah, ouais. Mm-mm. Ok. Qu'est-ce passe, ma belle? T'es sous chill? Ouais. Je crois que t'es en train de niaiser là. Ouais, je te niaise. Non, mais dans le fond, je connais plus ces expressions anglophones. Y a quoi d'autre comme expression? En vrai, expression le chat. Ton patnaï. Anna, tire-toi ouais, une bûche, hein. Comment ça? Ah, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Anna, je suis calou. What the fuck, ça veut dire quoi de ça? Hey Jax, tire-toi un tronc. Ah mais c'est pas nice, hein. Eh, hey, Anna, tu t'es déjà chiqué la chenille? Non! Comment ça? What the fuck? Ah. C'est bon là, il y a plus de... Ah, attends. Ok, carré. Merde, j'ai trompé deux scènes. En vrai, c'était marrant quand même, c'était marrant. Bah, c'est demain la suite. Ah demain, bah là les gars il est 3h du mat, même si je vais pas vous mentir, même si j'étais pas énervé, je pense que ça va être dur de